Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur War Tales. Aujourd'hui, un petit jeu en early access de Shiro Games. Regardez, c'est écrit tout en bas à gauche, regarde, c'est Gata-san, Shiro. Il est là, il est beau, il est fantastique. C'est une OPSP, bien évidemment, mais comme vous me connaissez, c'est une OPSP sur un jeu que vous allez être là. Bah finalement, c'était pas si mal, ça me plaît, je vais peut-être me le prendre pour Noël. Vous me connaissez comment ça fonctionne, et il faut savoir que War Tales est un jeu dans lequel vous dirigez votre propre compagnie de mercenaires, un peu comme dans, bah, comme dans Berserk, en fait, voilà. Sauf qu'à la fin, non, mais à la fin, il n'y a rien qui change, vous vous faites manger, pareil, voilà, c'est la même chose. Dans tous les cas, voilà. Nouvelle partie, allons-y, découverte totale. Hein. Ils m'ont dit, oui, il faut expliquer le jeu, il faut expliquer l'univers, l'Empire des Dorans, il faut parler des personnages. Là. Rien du tout. C'est la découverte du mal. La max, hein, c'est pour ça. Allons-y. Je sais pas si j'ai la voix de robot ou si j'ai la voix en écho, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, vos compagnons sont des amis apprentis à la recherche d'aventures. Plus d'influence et moins d'XP de compagnons. Une escorte de marchands ayant perdu leur employeur. Plus 150 crowns, c'est les couronnes avec un K si tu veux, et un remède. Des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine. Expérience compagnon, plus 50, soupçons plus 30. Ah. Des jeunes fermiers à la recherche d'une vie meilleure. Plus de pain et moins 50 crowns, ok. Et un groupe de bandits cherchant à échapper à la garde. Plus 100 crowns et plus 65 soupçons. Pays guerrier, lancier brut. Moi j'aime l'idée d'une escorte de marchands qui ont perdu leur employeur. Et j'ai mal lu, au début, quand j'ai lu comme ça en diagonale, j'ai lu « De jeunes femmes à la recherche d'une vie meilleure ». Et moi, je voulais faire une compagnie faite que de gonzesses, ça aurait été ultra stylé. Mais on va prendre les pégus, hein. On va prendre les pégus, allons-y. Vos compagnons sont habitués à des longues marches, très bien, sont d'astucieux combattants, ont une résistance à toute épreuve, excellent au concours de gifles et apprécient le contact de la nature. Ils excellent au concours de gifles. C'est les pégus. Ça va mal se passer, je sens. S'il devait avoir un défaut, ce serait qu'il serait un peu faible, une éternelle insatisfaction, révolte, une malchance peu commune, un sommeil un peu lourd et une culture remarquablement limitée. Parfait. C'est des pégus. Les mecs, ils ont jamais ouvert un livre de leur vie. Ils font du pain, ils mettent des gifles. Let's go. Région de départ. Alors, il faut savoir qu'il y a trois régions à visiter apparemment dans Story Access de la vie. Difficulté normale, normale. Difficulté simulation, normale, normale. On verra bien, on y croit. On commence donc au comté de Tiltren. Territoire indépendant, c'est parti. Oula, oula, oula. Petite saccade du mal. C'est pas grave, c'est le chargement. C'est parce que je me suis mis en borderless, c'est pour ça. Impeccable. Les dégâts critiques supplémentaires, combat de gif. Ah, la pureté de l'air du matin, légèrement parfumée par les effluves des étables à proximité. Une bonne bagarre de taverne où le moindre mobilier devient un projectile improvisé. Né et ayant grandi à la campagne, vos compagnons savent apprécier les choses simples de la vie. Mais si on veut s'élever dans la société, il faut savoir prendre des risques et aller chercher fortune au loin. Attention toutefois à ne pas y perdre ce qu'on a de plus précieux, en l'occurrence ses chaussures. Ce jeu qui est brutal. Attends, je peux bouger la caméra? Oui, je peux bouger la caméra, j'apprends à jouer. Hein. On peut zoomer. J'ai cliqué sur quelque chose. Ah, attends, il y a plein d'options. Pas de tutoriel, let's go. J'ai 3B. Et là, il y a des connards sur la route. D'abord, récupérons les trucs. Ils m'agressent. On les agresse d'abord. Combattre. J'ai pas joué. Mais allons-y. Allons-y, hein. Il n'y a pas de... Distribution de mif. Alors, ce jeu est un jeu tactique... tour par tour, RPG tactical. Pas besoin d'avoir des réflexes de fumier. Pas besoin non plus de s'y connaître en jeu RPG tactique, vu que apparemment le fonctionnement est assez simple, du moins à en croire la brochure. Nous avons Trinian, qu'on essaiera de renommer, Guna, Varric et Serline. Très bien ça, parfait, ils ont bien des noms de pégus. Empalement, déplacement, premier soin. Et lui, je peux pas voir ses déplacements. D'accord, bon, pas de tuto. Vous pouvez déplacer vos compagnons ici avant de commencer le combat. Ah, d'accord, d'accord.
Et bah dès le début, comment je fais pour la déplacer? C'est bon, c'est le premier tour en fait ou pas? Aucune idée, je sais pas ce que j'ai fait. Bon bah d'accord, j'ai joué du tour par tour mais mal, c'est très bien. Ce qui fait que le truand va pouvoir attaquer Gunna gratuitement en fait. Derrière on a un braconnier, on a Warwick. Il va falloir charger malheureusement. Parce que ce connard là-bas a un arc. Très bien. Voilà, il se place et il manque à l'une, c'est gratuit. Bouc. Ok. Je crois que c'est mon armure qui a pris. Pour l'instant, tout va très bien. D'accord. J'ai le droit de les jouer dans l'ordre que je veux. Ok, c'est bon à savoir. Et en termes d'empalement, question. Si je me déplace là... Non, il est trop loin, malheureusement. Je suis obligé d'attendre mon tour. Très bien, bah je passe mon tour. Nous avons un archer. Putain. Peguman. Ok, très bien. Je le déplace, visez, gagne habileté. Prochaine attaque doublée, la précision est améliorée. Et il est trop loin quand même. Bah très bien. On va viser et on va attendre. Ok, c'est bon, ouais. Bouc, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, il m'a empoisonné, salaud. Ah, ils se battent. Regarde ça, c'est trop bien. Bouc. Bouc, ça tâche. Enfin, ça touche. Enfin. Et tu te remets à viser. Et on passe le tour. Ensuite, c'est sans doute à lui, de toute façon, désengagé. D'accord, et quand tu t'engages, tu forces une attaque d'opportunité de l'adversaire. Très bien. Ok, il commence à payer un peu. Il commence à payer un peu. Est-ce que je peux me déplacer dans son dos? Voilà, ça c'est juste pour le guaquer. Je prends un point de dégâts, c'est pas grave, il m'attaque, il m'en enlève. Je prends encore plus de poison. Il va falloir en finir avec ce match à la con. Hein. Ces pégus me mettent en... Enfin, ces connards de bandits me mettent en difficulté, on est à peine au début. Hein. Je peux pas l'attaquer juste. Non, je suis obligé de... Ouais, d'accord. Action de base, ok. Monter au cac, voilà, je monte au cac comme ça au moins il est obligé de se battre, il est obligé d'assumer ses erreurs. Ah, ça frite toujours. Je peux lui aller dans le dos. Allez, bouc. Très bien, c'est la gifle comme on dit. Ah d'accord, corps à corps, le mec il a aucun respect. D'accord, ils sont comme ça les mecs, hein. Bouc. Bap, comme on dit dans le métier. Blap. Voilà. Ouais. Galvaniser les mecs. Je sais pas ce qui se passe, mais le violon est parti, si tu veux. Le violon est parti. Alors du coup, ce qu'on a pu apprendre de ce premier match, c'est que les protagonistes disposent d'un... Enfin, les ennemis aussi disposent de points d'armure et de points de vie. Les points de vie, j'imagine, sont plus difficiles à faire remonter. Allez, j'ai plus le droit. Faut passer le tour. Ça, très bien. J'ignore s'il y a un avantage à attaquer dans le dos. Pas vraiment, ça le tourne juste. Voilà, très bien. Tir vicieux, déplacement. Ah, lui, malheureusement. Ouais. D'accord. Alors la question c'est, est-ce qu'il peut tirer après s'être déplacé? Oui, il peut. La visée compte. Ok. Bouc. Voilà, très bien. Donc lui, il va pouvoir m'en mettre une gratuite. Il s'éloigne. Ouch, il fait super mal. Forcément, on n'avait pas les moyens de les overwhelm dès le premier round, donc c'était un peu cramé, brave Jean. Mais c'est pas grave, il va pouvoir y aller. Et là, je suis... Vas-y, Varric. Blech. Voilà, il est mort ce fumier. Bon. Et eh ben c'était
plutôt catastrophique, nous avons gagné l'expérience de l'influence. Des restes humains inutiles, quoique. Des crowns, de l'argent. Armure endommagée, blessée, tout réparé, tout soigné. D'accord. Et on a 5 matériaux bruts et un remède. Ah, la fiole est récupérée après l'usage. Bah, vous savez quoi, on prend tout. On soigne Warwick. Voilà. Désolé, hein. On soigne Warwick, il faut. Parce que sinon, ça va nous mener à des... Ça va nous mener à des bricoles, on sent. Et ensuite, on espère comprendre quelque chose à ce monde. Alors, déjà, voyons voir. Connaissance. Déjà, on peut arrêter le temps. On peut arrêter le temps, merci. Connaissance. Permet d'apprendre de nouveaux plans, patrons et recettes dans le compendium. Pas de chance. C'est des pégus. Dégâts critiques. Très, très bien. Encore 4 joueurs de la troupe. Chaque région possède son propre scénario, donc vous pouvez suivre l'évolution ici. Vous n'avez pas encore commencé le scénario de la région. Une forte suspicion vous rendra recherché par la garde et il faudra alors payer pour vos crimes. Vous n'êtes pas cherché par la garde actuellement, donc ça c'est bien. On a des crowns, on a 5 jours de nourriture, des points de bravoure, de l'influence et du bonheur. Bon, jusque-là, tout va très bien. Campement, on peut se reposer. Inventaire, voyons voir ce qu'on a. De la consoude, c'est bien. Une fiole, du remède, du pain et du minerai de fer. Fantastique. Le compendium. D'accord, malheureusement, il me faut des points de connaissance. L'atelier, je peux faire des objets. Permet de débrouiller des serrures qui se dressent entre le voleur et les hommes butins. Un hameçon de fer empêche le poisson de décrocher de la ligne. Des marmites. Donc apparemment, il y a aussi du matos à crafter en long, en large et en travers. Avec aussi les points d'XP bonus à attribuer. Très bien. Ça m'a l'air assez complet. La carte du monde. Ouais, nous sommes, comme qui dirait dans le monde, perdus. Tout va bien. Les voies. Les différents exploits que vous avez accomplis qui vous donnent du point et des bonus et des choses comme ça. Bah, pour l'instant, on est un peu... On est un peu des pégus, hein, on s'excuse. J'ignore ce que c'est là-bas, ça a l'air d'être une mine. Et ben en attendant... Et qui c'est Jean ? Ben, je vais leur parler. Vous êtes des bandits, on n'a rien, nous sommes de simples réfugiés qui fuyons la guerre en errant. Laissez-nous aller, par pitié. Ah, je peux leur donner du pain et gagner de la renommée? Non, mais malheureusement, non. Et ils ont des pitons, permet de monter sur les rochers, ainsi que du minerai de fer. C'est intéressant. Vous m'achetez la consoude? Oui, ils m'achètent la consoude. Je vends. Voilà. Ils disent qu'ils ont rien, mais ils m'ont filé du fric. Hein. Donc, moi, je dis oui. Voilà, partir. Bonne journée, messieurs. Excellent. Après tout, on est des paysans. Et là, il y a des écuries du plateau. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire? Inspecter. Du sel et un tissu. Sauf que malheureusement, c'est pas quelque chose qui nous appartient. Vina, poney. Inspecter le poney. Le poney peut transporter de l'équipement, d'accord. Mais c'est pas le mien. Si, c'est le mien. J'en sais rien, en fait. Bonjour, madame. La guerre en Edoran a beau être excellente pour mes affaires, je veux pas m'empêcher d'être malheureuse pour mes chevaux. Ah. Je vois que vous n'êtes pas des militaires. Prenez-les avec vous si vous le pouvez. Ils finiraient probablement par mourir sur le champ de bataille sans avoir rien demandé à personne. Ouais. Quand je pense au nombre de gens qui ne ferment pas leurs chevaux, j'ai envie de m'arracher le peu de cheveux qui me reste. Vous savez quoi? Achetez-nous un canasson et je vous offre les fers. Alors, 180 balles! Ah ouais! Ah ouais! C'est la solde, mon gars! C'est la solde! Hein. Il peut faire bousculade, inflige plus de dégâts à l'acide. Ok, très bien. Sortir. Déjà, avant même de commencer, regardons nos gens. Trignan, je peux le renommer? Oui, je peux le renommer! Comment on l'appelle? On l'appelle Gaston. Il me faut des noms de fermiers, allez-y. N'hésitez pas. Lui, un nom de Pégu. J'ai envie de l'appeler Péguman. Merde, je suis en QWERTY pour ça. Voilà. Brigitte. Et enfin, Gontran. Gontran, c'est bien, c'est un bon nom comme ça. Voilà, très bien. Ils sont parfaits.
Ils sont parfaits. Warwick a Gontran comme surnom et ses compagnons aiment bien. Choisir un métier. Bricoleur. Peut apprendre des recettes, concevoir et apporter du matériel de camp à l'aide de camp. Eh ben, Gontran, tu vas bricolo. On peut changer de métier. Ils peuvent changer de métier, d'accord. J'ignore s'ils peuvent changer de métier ou si ça coûte quelque chose. J'ignore. Bon, pour l'instant, on va en mettre deux et on ne va pas en faire plus. La garde, les attaques dans le dos, ils donnent 50% de cette réduction, ça c'est très bien. Il faut réparer ça après chaque combat, malheureusement, et ça coûte un de réparation pour réparer l'armure de Gaston. Il a une lance et il a... premier soin. Ah, mais premier soin, ça coûte un point d'action spécifique, d'accord. Parce qu'il y avait ça aussi, premier soin. Et ça, pareil, visée. Je crois que j'ai claqué tout dans la visée. Kourou, si déjà la cible, j'aurais moins de la moitié de la santé. Oh la vache. Oh, c'est stylé, il est vénère, Gontran. Fort en plus, niveau 1. On pourrait presque faire péter un niveau 2 très bientôt. Ce serait même acceptable. Et on a un poney. Poney qu'on va appeler... Bourriquet. Voilà, très bien. Excellent. Nous avons Bourriquet. Très bien. Bon, avec tout ceci, on n'est pas exactement une compagnie que je qualifierais digne de ce nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder. Pégu. Voilà. Et camper. Voilà. Ah, il peut concevoir des choses, il peut concevoir des crochets, un hameçon de pêche, des torches, une marmite et une tente. Malheureusement, on n'a pas le matériel pour faire quoi que ce soit de tout ceci. Je vois. D'accord. Et donc, effectivement, il peut bricoler à l'infini. La fatigue. D'accord, on va quand même utiliser le feu de camp. Ranger dans l'inventaire, payer et nourrir votre troupe, utiliser. Oups. Je pas. Voilà, très bien. 3 morceaux de pain, solde à verser. Vous n'avez pas de solde à verser avec vos compagnons, niveau de danger aucun. Se reposer, allons-y. Voilà. On mange un bout de pain. Ondeur 6 heures, on récupère 2 points de bravoure, ce qui sera utile durant les combats. Et la troupe est maintenant reposée. Et maintenant, comme on dit, on se casse. Comment on fait pour se casser? Très bien. Très bien. Bon, bah pas mal. Pas mal. Alors, on voit maintenant les objets qui traînent. C'est quoi ça? Du tissu. On prend le tissu. Le tissu, c'est bien. Est-ce qu'on peut mettre en surveillance les items ou pas? Non, là-bas, il y a d'autres gens. Alors, je pense pas que ce soit intelligent de notre part d'attaquer les marchands au pif. Stormcap. Ça ressemble à un truc qui s'appelle les Stormkeep. Sans doute ce que ça veut dire dans une langue barbare. Très bien, on a récupéré 2 pots de fleurs. Hé les mecs! Hé! Oh, hé, du Pégu! Puis-je vous proposer mes humbles articles, monseigneur? Pour un Ulfbert! Et un Jacques de Maître! Oh là, mais ça coûte super cher! J'ai pas les thunes. En plus, ils ont l'air vénères! Est-ce qu'on tente de les attaquer, quitte à mourir comme des cacas? Je suis sûr, si on stratégise, tente un vol. Non, je pense pas que ça passe. Je pense que la jacquerie a des limites. Hein. Ah, je suis dans la ville, à Stromcart, population 145, production des tas de choses. La taverne, l'apothicaire, le marché aux trois lapins, maison communale, la forge. On voit la forge. Avec de la chance... Doit être forgeron. Je n'ai pas de forgeron. Ah, peut apprendre des plans et à forger des trucs dans le village. Bah elle, toi tu seras forgeron Brigitte. Voilà. Et du coup, avec du cuir et de ça, on peut faire des hardes. Une tâche, il me faut du bois et du cuir. D'accord. Donc en fait, ce qui nous manque, c'est beaucoup de matériel finalement. Maître Ulan, bonjour. Vous pouvez utiliser mon enclume contre quelques crowns. Je peux également réparer vos armures. Et je cherche à embaucher un forgeron compétent si vous en croisez un. Pour 8 balles, il répare tout. Let's go. Quelques pièces de métal bosselées, mais rien de plus. Elles sont comme neuves. Très bien. Du charbon, matériaux bruts. Ok, ils vendent du merdier. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sortons. Ensuite, la maison communale. La mairie, un peu.
le bourmesque Gontrande. Pouah ! Trop viril. Vous êtes des mercenaires, sachez que nous n'acceptons plus les réfugiés ici. Pourquoi ? Parce qu'ils envahissent nos rues et maintenant nos routes, et Doran nous vomit tout ce qui peut marcher et ce qui n'a pas été réquisitionné par la guerre. On n'aurait pas trop de mal à trouver de quoi vous employer ici, les habitants en peine avec les réfugiés sont légion. Ah, si on peut les casser la gueule à des gueux, contre quelques menus récompenses pécuniaires, je dis pas non. Hein. Je suis sûr à la taverne, il va y avoir des gens. Attends, on sauvegarde d'abord. C'est bon. Ah, jouer la police un peu, ouais, t'as raison. Là, il y a un panneau. Émissaire Benefna. Vous cherchez du travail, le rôle des émissaires est de s'assurer que toute demande de service soit satisfaite. Nos offres sont régulièrement mises à jour. Fais voir. Alors, des hommes attaquent les caravanes et les voyageurs le long des routes. Faut régler le problème avant que les marchands ne refusent de traverser Tiltren. Facile, récompense 130 balles. Libérer la mine, vaincre la bande à Idel. Et piller le repère des brigands. Je propose de commencer par vaincre la bande à Idel. Ils disent c'est facile et en plus apparemment c'est pas loin. On peut acheter celle-là aussi. Ok, d'accord, ouais, je vois. Excusez-moi. Merci. Très bien, donc disais-je. Dans l'absolu, oui. Alors attends, on va tenter de faire des choses. Hein. On va tenter de faire des choses et surtout, on va tenter d'y survivre. C'est ça le plus dur, en fait. L'informateur. Voilà, chercher du travail, je peux vous donner des tuyaux sur de vraies missions. Des missions beaucoup mieux payées que ce que proposent ces guignols de la guilde des mercenaires. Ça implique de rencontrer les commanditaires et de se mêler des affaires des autres. Mais ce qui compte, c'est le nombre de crowns qu'on y gagne. Hein, j'ai bien raison. Ah, et je peux les échanger contre du prestige. D'accord. Et là, il y a Judran. L'aventure m'appelle. Ah, d'accord. Et on peut recruter plus de pégus. Pas banal de voir de nouvelles têtes par ici. Enfin, par les réfugiés de la guerre des Dorans, je veux dire. Pourquoi je peux acheter une matte-fin aux pommes? Ça coûte 30 balles. Cher. Bon, moi je me rends compte qu'il va falloir commencer à engranger du pognon de manière plus intelligente que ce qu'on fait, hein, parce que tout est cher, tout est cher dans ce monde de merde. Tout est cher, ma bonne dame. Marché aux trois lapins, j'imagine c'est ce qu'on peut vendre. Voyons voir. Approchez, je vende tout. Il vend du cuir. Pour 4 balles, d'accord. En vrai, on pourrait se forger nous-mêmes des choses, vu qu'ils vendent des choses pas pour trop cher, mais pour ça, vendons la consoude, gardons le pain. Vendons un peu de tissu, mais pas trop. Essayons d'économiser quelques pécules. Là, il y a un clodo à manger, je vous en prie. Oh non. On n'a pas les moyens. Embaucher un voleur serait pas dégueulasse en vrai. Je suis d'accord, mais pour le coup, voilà. Il faut s'éloigner de la ville. Et on a déjà épuisé un tiers de notre endurance. Hein. Super. Alors, la bande à Faudel. Elle est où la bande à Faudel? C'est là-bas. C'est qui eux? Ça a l'air d'être des pégus. Ils se prennent pas. Il a l'air de se prendre. À déclarer, causez pas de soucis et vous aurez pas affaire à nous, ils se prennent pas. Les mecs ils sont taillés comme des Avengers dans Endgame si tu veux. Comme dit dans le pays, ça se prend zéro. Ok, là il y a des pégus, là il y a d'autres pégus. Ça a l'air d'être des mecs qu'on peut attaquer en plus. Ça c'est juste des soldats. Donc ils disent ok, on va prendre les ressources. Super. Et apparemment ça les attaque direct, d'accord. Ils fuient les lâches, les couards. Les chiens. Où sont les réfugiés? On va les mettre dehors nous-mêmes. On va tous les mettre dehors. Pouah. Ouais, j'ai bu, on a tous bu, comment vous le savez, vous êtes devins? Peu importe, laissez-nous tranquilles, on a des réfugiés à dégager de Tiltren. Ils se prennent. Attaquez. Putain, ça se prend ou pas? Fantassin et phalange. Se prend. Et en vrai, ils ont juste des bonnes armures. Si on arrive à les... Fais voir, qu'est-ce qu'il a, lui? Elle a une lance. Bouclier masse. Là, il y a piège à ours. Bon.
Ce qu'il faut, c'est se donner l'avantage. Il faut se donner l'avantage du terrain. Spoiler, l'avantage, on l'a pas. Attends, je suis obligé de... D'accord, ok. Passe le tour. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouh, c'est chaud. Ouah, là-bas. Ok, ok, pas de soucis. Bouc. Pas de soucis, pas de soucis. On peut la tenir, c'est juste une question de focus. Bouc. Ok, pas mal. Pas mal, on termine le... Enfin, on va le faire fuir un peu plus. Voilà, on va la motiver à venir me taper moi, ce qui fait que du coup, elle va faire tomber mon armure à moi, en fait. Voilà, très bien. Parfait, elle, ce sera un problème. Mais un qu'on va pouvoir régler, ouais. Tout va bien. Nouveau round, ok. Donc après, ce sera à lui, après j'aurai le 2 et ce sera ces deux connards. Très bien. Donc c'est là que c'est maintenant qu'il va falloir jouer intelligence, tu veux. Alors, on peut leur mettre plein la max. On peut leur mettre plein la gueule. Voilà, vaut mieux commencer par lui. Voilà, très bien. Voilà, double attaque. Et comme ça, elle est dedans. Elle est dedans. Elle est dedans, elle est dedans. Et là, ils sont aux prises, comme on dit dans le métier. Sauf qu'on se met sur le côté plutôt que dans le dos pour éviter que l'autre l'attaque trop fastoche, si tu veux. Voilà, et on lui met une quille. Allez, ça marche pas de le mettre aux prises, d'accord, tant pis. Tant pis, tant pis. Bouc, aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est à nous. Bonjour, madame. Alors, si on calcule correctement, eux et eux, ils ont déjà joué, donc maintenant, c'est une question de eux. Mais eux, je sais pas quelle portée réelle elle a, en fait, cette gueuse. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer à revenir tout doucement et essayer d'achever ce fantassin en focus, tu vois. Quitte à se prendre l'attaque bonus dans la gueule. Donc, on va se faire un petit déplacement. J'ai une chance de toucher mes potes. Let's go. Voilà, c'est bon. 50%, c'est 100%. Et enfin, elle. Elle va nous en mettre plein la mouille, je pense. Donc, on va rester éloigné avec Gontran. Ou alors, on revient et ça va être la grosse mêlée du full focus du cul. Allez, on y croit. Ah. Je suis déstabilisé, c'est pas grave. Elle va nous mettre une quille, elle. Non, elle est trop loin, super. Super. Nouveau round. Nouveau round. Octogone. Octogone. Très bien. Lui, il peut se prendre un coup, il n'y a pas de souci. Lui, il va falloir par contre qu'on commence à dégager un peu tous les pégus qui cassent les couilles. Donc, il va falloir qu'on commence à mettre des quilles. Si on peut tuer même, ce serait idéal. Hein. Je pense pas qu'on puisse tuer en vrai. Surtout, lui, il peut pas faire la vraie distance. On peut la déstabiliser en la faisant reculer, si tu veux. Histoire de la forcer à... Ou elle, hein. Ou elle. Bon. Parce que lui, il est déstabilisé. Je sais pas ce que ça veut dire. Garde réduite à zéro. Putain.
C'est pas grave. Voilà, il suffit juste de lui mettre des quilles. C'était une très mauvaise idée de ma part, finalement refait la route. En fait non, c'est très bien ça. Voilà, on va alterner, on va faire en sorte qu'ils alternent les gardes justement. Et donc lui, il va s'en prendre plein la gueule, c'est sûr. Il va se prendre même peut-être deux attaques. Mais on peut choisir de jouer Gontran et de faire barrage, comme on dit, dans le pays. De manière à ce que l'autre, il s'en prenne pas trop dans la mouille non plus. Il va perdre des PV, c'est sûr. Mais pas dit que ça le tue. Ouais. Vaut mieux... Alors, il fallait que je focus, mais vaut mieux repousser ceux qui sont repoussables. Voilà, supporter, je sais pas ce que c'est, mais c'est impeccable. Impeccable. En faisant ça comme ça... Allez, je le garde, de toute façon. Génial, on s'en prend. Mais he's ok. C'est à lui, il m'en met dans la gueule, c'est pas grave. On peut pas utiliser 10% de la santé, il lui retire tous ses malus, c'est chaud. C'est chaud. Alors, c'est à qui le tour? Bon, forcément, c'est à lui. Voilà, on repousse. Ça nous désengage. Premier soin. Ah, c'est pas mal ça en fait comme plan. C'est pas un mauvais plan. Je mets Gaston au nord. Je le tourne dans la bonne direction. Premier soin, ça, je peux pas en servir. Ah, c'est seulement sur un allié, merde. Bon, bah va falloir qu'il survive. Meanwhile, du coup, ouais, on lui fait passer son tour. De toute façon, il a plus d'armure, tu me diras. Donc, ça sert un peu à rien, même s'il est de dos. Vaut mieux qu'il fasse le plus de distance possible. Ok. Donc, ça passe. Non, je veux pas faire le tour de Peguman, vous êtes fou. Ah, là, on peut mettre des quiches à tout le monde. Ah, j'aurais pu la repousser et j'aurais pu jouer intelligent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres lances sur la route ou d'autres objets que je pourrais utiliser à mon avantage? Non. On va s'approcher et se mettre au cac. Voilà, lui faire tomber ça. Et on espère que ça va bien se passer. Super. Génial, elle attaque Miss Armure. Nouveau round commence. Alors, nouveau round. Elle a encore de l'armure, donc il faut lui mettre une quille. En plus, on a la Sistana. Encerclée. Voilà, plus de dégâts si elle a de l'armure encore. Donc, elle se prend une quille déjà. Ça fait plaisir. Ensuite, rien n'est perdu, hein. Il va falloir être agressif. Hein. À mon humble avis, il va falloir être agressif. Il va falloir être agressif et voir espérer que ça passe. Hein. Il va falloir espérer que ça passe. Bon, tant qu'elle est encerclée, on prend l'avantage. Voilà, elle prend plus de dommages. On va en prendre plein la gueule. Hein. Voilà. Lui, il vient, c'est bien. Bouc, il m'en met plein la gueule, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on en prend plein la mouille, mais on résiste, on prouve qu'on existe. Lui, il se prend un coup de lance. On atteint la lance en mode 300. Léonidas, Bouc
et il crève comme une merde. Voilà, déjà, ça c'est fait. Ensuite, c'est elle qui joue. Ouais, elle va faire plein de dégâts. Mais c'est pas grave, on aura l'avantage. Bouc. Voilà. Re, brave Jean, re, c'est bon. Mais excuse, on a perdu le son, hein, que voulez-vous, c'est une early access. Les bugs sont là, ce sont des choses qui arrivent. Je peux mettre un coup de poing ou me désengager. Non. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est être plus intelligent que ça. De force action de base. Inflige 6 dégâts à la cible s'il lui reste moitié moins de la santé. Kourou. Dans ce cas-là, attendez. Stonks. Voilà. Passe ton tour. Gontran, mort là. Chomp. Tu recules. Bouc. Gontran imbloquable, hein. Ah. Du coup il prend des dégâts mais c'est pas grave. Et là maintenant c'est la guerre. Là c'est la guerre comme elle en a jamais vu. Voilà. On la bat comme une chienne. Alors lui du coup Gaston, bon bah Gaston, Gaston fait ton footing, voilà très bien. Nouveau round commence. Est-ce que ça peut être un round durant lequel on met de la violence dans cette femme? 6-8, dégâts à la cible, 50% si elle a encore de l'armure, bah c'est très bien. Voilà. Et à qui bénéficierait le plus de l'XP? Je crois que c'est Peguman, hein. Allez, Peguman. Ouh. Ouh. Ouais. On peut tout réparer, ça nous coûte tous nos matos de réparation. Ça nous coûte tous nos kits de soins. Il y a tous les cadavres. Il y a une lance renforcée. Il y a du cuir, il y a du blé. Il y a de l'XP, il y a des gains. On prend tout. On prend tout. Bon, c'est cher, mais on répare tout. On soigne tout. Allez, c'était cher, mais ça valait la peine. Brigitte. Brigitte qui gagne un level brut, level 2. Point d'aptitude, vas-y. Level 2. L'unité gagne déviation. Si elle est engagée, obtenez un point de super pouvoir. Pas mal. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez un point de super pouvoir. Chaque fois que cette unité s'engage, obtenez un point de super pouvoir. Si elle est engagée. Ah, je vois. Je vois. Donc tu peux en faire un. Elle gagne de la constitution, du mouvement et de la volonté. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Je me demande. D'un côté, j'ai envie de dire duel valeureux. À chaque fois que c'est une unité s'engage, gagner un point. C'est à chaque fois que c'est toi qui attaques en fait. C'est très très bien. Destructeur. Affaiblissement pendant 3 jours, dégâts réduits. 8 dégâts à toutes les unités dans la zone. 2 poisons aux unités qui saignent. D'accord, mais c'est seulement. Ok. Désengage et charge en ligne droite. Inflige 4 dégâts à toutes les unités de chemin. Applique ralentissement pendant un tour. Mouvement réduit de moitié. D'accord. Ok, je vois. En vérité, Destructeur me semble être le plus intelligent. Réduire les dégâts d'un adversaire, c'est quasiment le rendre inutile, si tu veux. Si l'unité est engagée, obtenez 1. Et l'unité gagne déviation. Ça veut dire quoi, déviation? Ça veut dire qu'en fait, c'est elle qui attire. Enfin, ça peut être intéressant. Hein. On va prendre la posture défensive. Écoute. Blocage up. Ouais. Blocage up, c'est écrit. Ah, dégâts subis de la prochaine attaque réduit 70%. Ah, c'est fort. C'est fort. Allez, on va le prendre.
Perso, je préfère jouer agressif, mais là, pour l'action, c'est bien honnête. Elle a encore un point. C'est nous qu'on choisit. Pour augmenter son mouvement, sa volonté de constitution. On améliore la consti. Allez, santé et le transport. Très bien. Gontran. Gontran, il mérite. Hein. Il mérite son level. Hein. Qu'est-ce que tu gagnes? Alors, Pégu, lancier. Chaque fois que cette unité tue un ennemi, obtenez un point de valeur. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé, obtenez un point de valeur. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez un point de valeur. C'est assez facile à mettre en œuvre parce qu'en fait, comme ton attaque avec sa lance repousse, c'est intéressant. Donc s'il est adjacent à un ennemi sans engager, voilà. D'abord, en fait, j'ai besoin de savoir si tu peux t'équiper de la lance. Il est où mon... Non, mais mon inventaire, s'il te plaît. Ah, voilà. Capacité assaut étourdissant, qu'est-ce que ça fait? 5 8 déjà, elle a besoin de déstabilisation si elle est déjà engagée avec un allié. Si elle est déjà engagée avec un allié. Donc en fait, c'est pas pour lui, ça. Les dégâts sont doublés si elle est à distance. Ah! D'accord, donc il faut faire ça quand on n'est pas forcément au cac. Faire ça juste avant. Non, à chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé, obtenez 1. Ça dit pas que tu as besoin d'être en combat ou que ton allié il a besoin d'être en combat. C'est juste s'il est à côté, s'ils se soutiennent mutuellement, tu obtiens un point de valeur. C'est très pété, je trouve. T'as même pas besoin d'avoir d'ennemis, si tu veux. Tu peux auto-générer tes points de valeur à l'infini. Je trouve ça très très bien. Permet de renforcer le moral, augmente les critiques. Pourcentage qu'un coup soit critique. Et de la consti, augmente tout. La consti, mon gars. Quoique la force, on peut augmenter la force. Non, je peux pas augmenter la force, je peux augmenter la consti. Il me conseille d'augmenter la volonté, je augmente la consti. Voilà, très bien. Impeccable. Et bah parfait! Parfait, parfait, parfait. Dans ma troupe, par contre, Gaston, voilà, Gaston. Gaston, en revanche, il a l'empalement. Et lui, il n'y est pas. Alors que s'il avait assaut étourdissant, voilà, on pourrait peut-être faire quelque chose et le faire plus travailler individuellement. Ils sont full life, full équipé, full total. On va mettre des mines pas possibles. Mine de sel du mont Atlas. Allons-y. Hé, hey, halte, cette mine de sel appartient à la bourgmestre Gontran. Je ne peux pas vous laisser entrer comme ça. Ok, ok. Why are you getting mad? It's only salt, bro. C'est juste du sel, bro. Respire, bro. La progression de vos découvertes vous a fait gagner un point de connaissance. Incroyable! Je sais pas pourquoi, mais course. Vous pourrez vous déplacer en courant pendant quelques instants. Ça, c'est pas mal. La troupe améliore sa résistance à la défense, ce qui lui permet de se déplacer plus rapidement. Vitesse de déplacement de monde augmentée de 5%. Transport augmenté de 5. Augmente le bonheur de 1 de la troupe. Vos compagnons deviennent d'habiles orateurs capables de convaincre n'importe qui de les rejoindre. Révolte ! Maîtrise de la brûlure, non. Roublardise. Vous êtes moins souvent recherché par la garde. Maîtrise du poisson. Chasseur d'offres. Augmente le nombre de contrats. Gain d'influence auprès d'un combat augmenté de 5%. La troupe mange 1 de bouffe de moins par jour. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... solde version aux compagnons réduite de 10%. Gain de crowns de 5% en plus. Maximum de points de bravoure d'augmenter de 1. Vous pouvez désormais dévorer des cadavres humains. Très bien, ça. Maîtrise du saignement. La boucherie sur le champ de bataille. Honnêtement, course est pas mal. Mais je suis plus pour entraînement d'endurance. Hein. Pour moi, c'est juste une question de... C'est juste une question de durabilité. Ah oui, mais il y a ça aussi! Oh! Oh ouais, mais on peut dépenser ces points là-dedans, tout. Mais mes pégus, ils savent pas lire. Au secours! Au secours, au secours, au secours. Au secours. Au secours. De toute façon, j'ai même pas le matos, alors. Clément en fer, par contre, ça a l'air tellement fumé. Un Ulbert en fer, ouais. Guizarme, bouc. Oh là 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 là. Avec empalement, en plus, mais oui.
Oh la vache. Ça, c'est que pour les gens qui ont de l'armure. Plus de coups critiques, applique saignement. Mais c'est juste une hache de lancer le problème. Un couteau de lancer, pareil, c'est qu'une fois c'est consommé, c'est consommé. Arc long. Oh là là là. Ah, c'est compliqué. On va augmenter notre vitesse de déplacement sur le monde de 5%. Après tout, moins de temps on passe sur le monde, moins on consomme de ressources, plus on est économe. Christine Alund. Bonjour madame. Comment ont-ils pu? Nous leur avons opposé aucune résistance, mais ils ont quand même tué notre petite Lucilia. Son père a perdu l'esprit et s'est lancé à leur poursuite en direction du moulin. J'espère qu'il les a trouvés. Ces voleurs ne méritent pas de vivre. Oh la vache, c'est moche madame. Vos moutons ont l'air délicieux en cette période de l'année. Nouveau métier, voleur. Peguman. Vas-y, Peguman. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Mais d'un autre côté, on sait ce qu'on va bouffer ce soir. Les sacs à merde absolus. Voilà, c'est très bien ça. Allez, après tout, pas de raison. Et vous avez récupéré 2 points de bravoure. Ah bah ouais. On est fiers de nous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des Bandix? Putain. Est-ce que c'est eux les Bandix de Stormcap là? Truand et braconnier, on leur casse la gueule? On leur casse la gueule. Allez, tant qu'on reste soudés, tant qu'on utilise intelligemment nos tactiques et nos super pouvoirs. Ok. Là, il y a un piège à ours. Un truand et 2 archers. Ça, par contre, c'est pas bon du tout, les archers. Pourquoi il a un point d'exclamation? Prenez une unité à jouer, d'accord, ok, je vois. Non, je peux les charger par contre et lui mettre une quille. J'aurais pas dû, j'ai fait une erreur. C'est brave. Voilà. Comme ça, il est engagé. Voilà, il est engagé et au moins il est obligé de se battre. Une quille. Lui, il peut aller pas très loin de toute façon. Il a chié. Écoute, hein. Bap. Voilà. Comme ça, au moins, il est engagé. Voilà, il met 2 de dégâts, c'est pas grave. Lui, il met 5. Putain, il tape dur. Il m'empoisonne, ça, c'est pas bon du tout, par contre. Ce qu'il faut, c'est me déplacer là. Préparer l'empalement. Ouh! Et me cacher derrière ma copine. 1 point de bravoure. Voilà. Et enfin, lui... ouais, si je m'avance, j'aurai la portée, je pense. Pas de raison. Non, j'ai pas la portée. Pas le choix, obligé d'attendre. Bien sûr, il va attaquer Gaston. Oh, la vache! C'était quoi, cette flèche? Pouah, les dégâts de bâtard! Bon, d'un autre côté,
D'un côté, Just as Splend. Bouc. Très bien, une portée, super. Tac, 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 on monte. On monte à la carotide. Allez, on l'engage. Histoire qu'il puisse plus se permettre ce genre de velléité, si tu veux. Qui sont inacceptables, hein, il faut se le dire. Il faut quand même se l'admettre. Le truc, c'est que je suis pas engagé, là. Hein. On est d'accord. Donc, vaut mieux mettre des quilles. Hein. C'est mon avis. Ah, ils vont attaquer tous les deux de toute façon. Ouais, mais il faut tuer. Il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer. Il faut tuer. Allez, bouc. Déjà. Quitte à ce qu'on s'en prenne, hein. À un moment, il va falloir, hein. Enfin, ils font super mal. Lui, avec ses 3 PV, il pourra se faire achever par Peguman. Donc, c'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème, c'est pas un vrai problème. Ce qu'il faut, c'est leur pousser lui déjà. Ou attends, y a pas moyen de lui faire un petit, une carabistouille ? Non. Écoute, ouais. Bon. On finit à côté. On gagne un point de bravoure. Ça a empêté comme capacité. Hein. Là, on a gagné double distance avec des dégâts fous furieux. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, il faut. Hein. En vrai, il faut tuer. Tant pis, ça tue pas. En vrai, ouais. L'autre, il alimente. Hein. Donc là, on va s'en prendre deux. En espérant que ça tue pas Gaston, que ça le repousse pas non plus à des horizons impossibles à gérer. Pouah la vache! Pour Gaston, la situation est complexe, hein. Il faut se l'admettre. Alors lui, il joue en premier, mais il est mort. Ça, c'est gratuit. Voilà, donc ça, c'est gratos. Ça, c'était offert. Merci d'avoir joué. Lui, ensuite. Attends. Réfléchis, réfléchis, Bob. Réfléchis, 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 réfléchis. Ça va être son tour, mais je pense pas qu'il soit assez proche. Quoi qu'il est peut-être assez proche pour aller tuer le pote. Donc ce qu'on va faire... Je pourrais pas l'attaquer et l'engager derrière. C'est complexe, hein. Écoute, ce que je vais faire, c'est me positionner là, histoire de bloquer le déplacement de ce connard. Voilà. Planter son pote, l'achever, et passer mon tour. C'est pas grave, je m'en prends une, mais c'est bien, il a choisi de m'attaquer moi et pas Gaston, ce qui était ce que je voulais en vérité. Maintenant, je peux rejoindre ce fiefé fils de pute et commencer à lui mettre des vraies quilles. Voilà, déjà. Et surtout, il est engagé maintenant. Engagez-vous, rengagez-vous, qui disait. Elle a 3 de poison. Est-ce que je peux... premier soin... En vrai, je pourrais me casser. Hein.
Je pourrais me protéger, me mettre à une distance acceptable, mais même lui est blessé, donc on va prendre des risques, hein. Assomme un allié avec... D'accord, mais... Ok, je lui aurai un peu de PV grâce à des super pouvoirs. Et surtout, je lui enlève les saignements. Les saignements nuls. Et là, on n'a plus qu'à prier que cet archer ne tue pas Gaston. Non, c'est bon, il a décidé d'attaquer Brigitte. Comme un nul. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. On continue d'utiliser nos super pouvoirs. Là, en se déplaçant ici. On en balance fief et coquin. En soignant notre pote. Ça y est, on a un rythme là. On a un rythme. Et en se désengageant de genre 3 cm exprès. De manière à ce que lui, il puisse pas non plus se permettre des velléités complètement inacceptables. Je pourrais pas le sortir de là. Je peux lui mettre une quille. Moins cher que gratuit. Ouch, j'ai marché sur le piège comme un con. Bouc ! Oh là 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 ! Petit assassinat ! On les aime ! C'est ça qu'on veut voir ! Alors, qui reste ? Brigitte ! Viens là ! Soigne notre ami du poison. Mets-lui une quille. Voilà. On les a besogniers. À nous le pognon, à nous les cadavres. Du coup, ouais, il est grave blessé, il a pas de métier. On n'a rien pour nous soigner. La situation est, on qualifiera de délétère. Ah! Eh ben écoute. Ah, d'accord, il y a A4. Attends, d'abord on inspecte tout. D'abord on prend tout. D'abord on réfléchit pas, on prend tout si tu veux. Voilà. On prend. Un autre à voler là, t'es sûr? Parce que nous on vide, hein. On vide, ok. Il a tué tout le monde, un fou furieux. Je suis blessé, achevez-moi! Bah, on l'achève. Allez. Voilà. Excellent. Fantastique. Parfait, ça. Parfait. Des restes probablement inutiles. Quoique, ça pèse 10 kilos. Et je peux pas les manger vu que je suis pas cannibale. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est, eux? Ils ont une couronne, ils ont l'air vénère. Hein. Est-ce que c'était... C'est pas la quête, hein, bien sûr. Non, c'est pas la quête, hein. Bien sûr, c'est pas la quête et nous n'avons pas, comme qui dirait, les ressources qui pourraient être nécessaires à survivre plus avant. Pourquoi on rame du cul comme ça? On est trop lourd? Merde. Effectivement, on est trop lourd. Jeter ce gars. Voilà, c'est bon. P4. On était trop lourd, mais c'est temporaire, ça. Voilà, madame. Non, ça n'a pas réglé le problème, ça, madame. Respectez. Du cidre. On va pas voler ça. On va arrêter de voler cette dame. Ça fait deux fois, déjà, là. Porte cette cadavre des Vinus. Bah oui, mais ils sont parfaitement propres à la consommation. C'est pas ma faute aussi. Au final, on est parti à l'aventure compagnon. On est parti vers l'horizon. J'entends que ça bastonne à gauche, hein. Mais partant du postulat que notre équipe est composée principalement de débiles. Bon, on revient auprès de Stromcap.
On a passé une journée entière à crapahuter comme des débiles. Mais qu'est-ce que tu peux tout nous réparer? 16 balles, ça va, ça le fait. Elle est vendue. On va pas le voler, on se casse. Ok, apothicaire. Fabriquer. C'est un nouveau métier. Eh bah tiens, alchimiste, vas-y, fais des plantes. Ouais, on peut faire des remèdes. Il faut des iris, des neiges et de la consoude. Putain de la consoude, on en avait plein, j'ai tout vendu, je suis un bâtard. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Rendez les fioles après l'usage. 20 balles. 39 balles. J'espère que vous prendrez plus soin de vous la prochaine fois. À ce prix-là, ouais. À ce prix-là, un peu obligé. La forge. J'ai toujours bon espoir. Oh, on peut faire des hardes. Des vêtements modestes mais qui protègent du front. On a quoi, nous? On a des hardes de pêcheurs. Hardes de paysans. Hardes de pêcheurs. Et hardes de pêcheurs. On a de la merde. On est à poil. Mais attends, pour moins cher que gratuit, on peut faire un bouclier aussi. On peut faire des couteaux de lancer. Bon, ça vaut rien. Mais on peut faire des, voilà, on peut faire des fringues. Oh, il y a un mini-jeu, au secours! Ah! D'accord, faut pas. En fait, c'est pas. Ce n'est pas un. C'est pas un répète qui se passe. C'est clic là où ça se passe. D'accord, mais excuse. Je croyais que c'était un Simon Says, mais enfin, un Jacques Addy, mais en fait, non. Ouais, ok, d'accord. Bon. Très bien. Très bien, très bien. Tu me diras, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Très bien. Voilà, Brigitte qui est mieux armée. Ok. Meilleur bouclier que ça. Ce qui lui donne protection. Gagne déviation. Et l'unité gagne déviation. Mais ça, ça coûte de la... D'accord, ça coûte des ressources de faire ça. Ok, je vois. Et ça, de toute façon, c'est une arme à deux mains, donc c'est pas possible. Gaston, tu t'en es pris plein la gueule, mais des hardes de pêcheurs. C'est les mêmes hardes de pêcheurs qu'on a. Là, c'est Peguman qui a des hardes de paysans. Tiens, la pointe, mais des hardes de pêcheurs. Et ça, on peut les vendre. On ose espérer qu'on peut les vendre. Ça, on peut les vendre aussi, hein, je suis sûr. Je suis sûr, toi, t'achètes. Allez, il achète. Il achète les cadavres. C'est la richesse. Ok. Du coup, on a plein de thunes. Ça s'est bien passé, ça. Attends, qu'est-ce qu'il vend, lui, du coup? Tu vends rien? Tu vends pas d'armes et tout? Putain, quel enfer. Forgeron, il vend pas d'armes. Le marché. Marché aux trois lapins. Si vous touchez, vous achetez. Putain, mais quelle chienne. Alors, attends. Deux de nourriture. Du sel, champignons, raisins et des pommes. Pour l'instant, on n'a besoin de rien. La viande! D'accord, très bien. Approchez. Des matières premières, des poteries. Ah, parce qu'il y a moyen de marchander en plus, je suis sûr. La bourgmestre. Ok, elle s'en fout. La taverne. Voir si, attends, s'il n'y a pas d'autre meilleure mission. Parce que les missions, on les a même pas accomplies, hein, mais on regarde les autres, d'accord, ok, très bien. Ouais. Peguman a gagné un level, j'avais pas vu, mais excuse. Voyons voir. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez 1. Chaque fois que tu tues un ennemi, obtenez 1. Une unité adjacent à un allié sans être engagé, obtenez 1. C'est fort, ça, encore. «
augmente la volonté, le moral de la troupe dans les combats. Et santé, augmente le transport, force et dextérité, basé sur la dextérité et le critique. Ah, il a gagné un point de critique, il est fier. Soutien valeureux, m'a l'air intelligent. Parce qu'à chaque fois que tu tues un ennemi, ça arrive trop peu souvent. Et à chaque fois que ça termine son tour adjacent sans être engagé, obtenez un. Mais il faut être à côté d'un ennemi et c'est très bourrin, surtout pour un archer. Soutien valeureux, je trouve que c'est le plus OP, très sincèrement. Parce que t'as toujours un connard qui est à côté de toi. Et qu'est-ce qu'elle voyait déjà? Oui, oui, c'est vrai qu'on peut la recruter. On peut. Qu'est-ce que t'es, toi? Rôdeur, level 1, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des coups de couteau? Ouais, elle met du chiv. En plus, elle mord. Oh, elle a l'air bien, elle. Bon, elle a des frises de merde et j'aurais pas dû vendre les autres. Elle est un vieux sur un rouillé, donc en fait, c'est nul. Mais et surtout, elle va nous coûter plus cher à nourrir. Ils vendent de la tourte à 30 balles, c'est super cher. Se reposer, c'est combien? Récupère 3 points d'honneur et 15 $. Ouais, elle est vendue. J'espère qu'on n'a pas besoin d'utiliser de la bouffe. J'espère que c'est gratuit. C'est gratuit! Ok, excellent. Ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de claquer nos provisions. Ce qui fait qu'on est, comme qui dirait, en pleine forme. Une affaire de fer. S'éloigner. Ah oui, le gars il disait, si vous m'achetez un cheval direct... Si vous m'achetez un cheval direct, je vous donne ma fille. Ah, attends. On va retourner au moulin de Stromcap. Putain. Cette découverte, hein. Je rappelle, c'est une OPSP, braves gens. Vous pouvez cliquer dans le lien dans la description pour obtenir le jeu. Ou du moins obtenir l'early access. Tester, voir, inscrire ou autre. Moi, le jeu a l'air super. Hein. Ça a l'air d'être du tactical. Le endgame, ça a l'air d'être des espèces de grosses compagnies de paladins avec des armures de ouf. Qui mettent des putains de Deus Vult dans la gueule à des bandits, si tu veux. Parce que là, rien qu'avec mes 4 pégus, déjà, il se passe des choses extraordinaires. Hein. Bon, par contre, ça, c'est pas extraordinaire, ce pathfinding, là. Il faut le dire. Ça va nous faire perdre une demi-journée. Tranquille. J'essaie de le forcer, mais non. J'ai pas réussi à le faire bugger. Ok, pas de pathfinding, super. Ok, d'accord, très bien. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. C'est pas un vrai problème. Là. Excellent. C'est vrai qu'en fait, engager quelqu'un, ça aurait été cool. Mais si j'avais choisi qui j'aurais pu engager, j'aurais voulu des archers, tu vois. Imagine deux archers level 2 qui ont compagnonnage. Et donc, chaque tour, ils se rapportent 2 points d'épique. Des loups. Des loups, c'est bien ça, des loups. Dit-il. Des loups. Ouais, des loups. Allez. Des loups, let's go. Par ici. Par ici, la charade. Je sais pas comment on fait pour déplacer un compagnon ici avant de commencer le combat. D'accord. Oh, on en a deux dans le dos direct. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Il suffit de les laisser appuyer. Je suis bête. On aura deux dans le dos et trois qui vont charger comme des fous. Bah, de toute façon, on pourra pas s'empêcher de prendre des dégâts dans la gueule. Donc. Bon, en vrai, on s'est grave mis dans la merde, hein, mais c'est possible, c'est réalisable, hein, je veux y croire. Alors, sans se prendre le piège, du coup. Posture défensive, voilà. Passe le tour.
demande si une flèche préemptive... Marc, une flèche préemptive, c'est bien, hein, ça les calmerait direct, tu me diras. La petite flèche préemptive, allez. Book. Voilà, parfait. Je prends quasi zéro dégâts, c'est nickel. C'était ce qui était prévu. Ensuite, lui, lorsqu'il attaque, ça fait déstabilisation. Mais déstabilisation, ça n'enlève que les dégâts, enfin, ça n'enlève que l'armure, finalement. Donc en fait, vaut mieux charger ce loup à la con et lui péter la gueule. Ou alors, et là par contre c'est du génie, on fait le tour, tac 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 tac, et on le pousse sur le piège. Bouc ! Le piège ? Le piège, c'est pas grave. Ouch. Ouch. Ça va que c'est des loulous, hein. Ça va que c'est des loulous, ça va que c'est des loulous. À qui c'est le tour? Non, c'est que le tour à Gaston. Bon bah écoute, attaque, hein. Attaque, y'a que ça à faire. Ah, lui, il est trop loin de toute façon pour faire quoi que ce soit. Voilà, ça aurait été pété. Et lui, voilà, il attaque Gontran. He's ok. Un nouveau round commence, des nouvelles difficultés, des nouveaux ébats, du nouveau plaisir. Bon, déjà, c'est gratuit. Hein. C'est pas celui qui va agir, mais ce serait moins cher que gratuit. Quoi que ça enlève une attaque, mais là, ça enlève une attaque aussi. Dans le futur, quoi qu'on aura un autre moyen. Écoute, allons-y. Bouc ! Ça déjà, ça en fait un. Et on s'éloigne, s'il vous plaît. Merci. Ensuite. Je peux pas la sécher, lui ? Putain, je peux pas la sécher. Je peux pas la sécher, je peux pas la sécher. Donc du coup, c'est pas lui qui doit jouer, c'est lui. Voilà, ça. Ça en fait deux. Merci madame, c'est votre tour. Hein. Bon après, c'est qu'une question de mettre des quiches. Hein. Bon. À partir de là, c'est vraiment qu'un combat de quiches. Hein. C'est à qui mettra la plus grosse quiche. Ouh, ça se gifle. Voilà, toute mon armure qui se barre, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. La fourche, mon gars. Ensuite, on va avoir deux attaques gratuites. Bouc, ça c'est offert. Il est engagé. Vous savez bien, il attaque la bonne armure. Zap! Allez! C'est réglé. Bon, 2-3 griffures, mais oui! Des carcasses! De la viande! Oh là là! Des crocs en parfait état! Et de la graisse, mon gars! On prend tout. On prend tout, on prend tout. Gaston qui gagne un level. Et ça, par contre, ça n'a pas de prix. Soutien valeureux, audace valeureuse. À chaque fois qu'il termine son tour à côté d'un ennemi sans être engagé, gagner 1. À chaque fois qu'il termine son tour adjacent à un allié sans être engagé, gagner 1. Le truc, c'est que comme il attaque, il peut gagner de la force, et ça, c'est très bien. Tu réfléchis pas, tu augmentes la force. J'ai envie de dire soutien valeureux. Hein. Soutien valeureux. Soutien valeureux, c'est vraiment Gauthier. C'est vraiment Gauthier, c'est vraiment Gauthier. Je trouve ça vraiment très bien. De toute façon, comme ils sont toujours en groupe...
Ça marche. Alors, on est bien épuisé. Mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on est des débiles et qu'on s'est fatigué comme des nazes. Oh, du gibier! Putain, on dégorge de bouffe. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Ce soir, on va se mettre bien. Ouh, on va être bien. On va être bien, on va être bien. Alors, elle disait, ils ont tué la petite Priscilla, ils sont partis vers le moulin. Mais je crois que c'est eux hein, qu'on les a butés. Hein. Pas dit que bon. Un larron blessé. Non, mais d'accord, c'est fait. Ok, bah, ça a l'air d'être réglé. On va avancer un tout petit peu plus. Voilà, récupérer cet acier dans la montagne, là. Ouais, ça a l'air d'être ces connards, là. On va se mettre bien. Allez, on se met bien. On a 51 de bouffe, putain. 2 semaines, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Déplacer et maintenir. Voilà. Maintenez la garde. On peut changer ça. Comment ça s'appelle? Le truc, c'est sympa ça. Choisir un des traits. D'accord, j'imagine qu'on peut faire de l'alchimisterie en cours de route ou des choses comme ça. D'accord. Intéressant. Je vais fabriquer 2 crochets. Oui. Voilà. J'ai fait de l'XP. Bonus de première fabrication découverte. Wouh! Et hameçon de pêche. Mais ça, c'est vraiment pour se faire plaisir. Voilà. Ça, c'est vraiment pour lui apprendre les travails et les métiers de la guerre. Alors, attends, clic droit. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, il vaut mieux manger la viande vite avant qu'elle se claque. Le gibier, du loup. Parce que le pain et le champignon, le pain, si tu l'arroses un peu avec de la flotte, on est bien. Solde à verser, 78. Non, on se repose d'abord. N'est pas versé au sol, alors compagnon. Ah! Oh non, mais mes sous, j'ai pas été. Vos compagnons sont malheureux, vous avez perdu 10 d'influence. Merde. D'accord, ça a pas compté comme un repos, j'imagine. Taille de la troupe, moins 4, bien nourrie. Bon, ils sont très bien alors, casse pas les couilles. Là, Idèle la pleutre, on la moleste. On lui arrache ses vêtements, et non pas pour lui faire des choses contre l'esprit de Dieu, mais pour lui planter une fourche dans la nuque, si tu veux. Histoire bien que ça racle la colonne vertébrale, tu sais, comme ça, tu sais, quand ça gratte un peu. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Leader, force d'extérité, constitution augmentée de 30%, agressivité du chef, elle met toujours des coups critiques. Alors, l'avantage, c'est que aucun de ces connards la prochaine attaque doublée et précision améliorée, mais en l'état on est très bien. Allez, ça c'était ta barre d'endu. Moi je me casse un peu, je passe mon tour et hop, on gagne un point de bravoure parce que c'est comme ça, mec. Immédiat action de base, posture défensive. Ah, je fais gaffe à pas me rendre là où il faut. Je mets la posture défensive et j'attends. Et boum, elle se bouffe ça. Elle m'attaque dans le dos, donc je perds de mon armure, mais c'est pas grave. Ah non, même pas. Elle a pas attaqué. Ah bah oui. Ah bah y a pas de problème. Moi, écoute, hein, ça me dérange pas.
par contre, malheureusement, personne ne peut l'engager. Ah, dommage, donc on n'aura pas l'avantage de la déstabilisation, mais... Mais c'est pas grave, hein. On lui met des quilles, J'engage pas. J'agresse juste. J'arrose, madame. Voilà, lui, il va faire des choses, mais il fait bien ce qu'il veut. Ah, quand même. Voilà, ça engage. Très bien. Alors du coup, on va pas l'engager, on va juste assassiner lâchement. Voilà, très bien, hop, coup de fourche. Ça, c'est réglé. Allez, ça c'est offert. Merci madame. Fort agréable, hein. Allez, on prend tout. Hop. Comme quoi, somme toute, ça s'est réglé un peu plus facilement. Et là, il y a des gens qui ont l'air par contre plus agressifs, plus dangereux, plus à même de nous opposer un défi. D'abord, on récupère le fer parce qu'il n'y a pas de raison. Ils sont où? Allez, voilà. On récupère les champignons aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Le refuge. Et on a gagné un point de connaissance. Est-ce qu'on ne deviendrait pas cannibale? Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Faut pas cligner des yeux. Sens de la conversation, camaraderie, augmente les bonheurs, entraînement lesté, augmente le transport, maintenez chiffre pour courir, rationnement, on mange moins, solde versé aux compagnons réduit de 10%, gain de crown augmenté de 5%, gain d'influence, course de fond. Ah, vitesse sur les déplacements sur les routes augmentée de 10%. C'est intéressant, ça, encore. Enfin, on peut apprendre des choses on peut faire un burger. On peut apprendre des vraies armes aussi. Ce serait intéressant. Alors, Cerx, par contre, c'est un couteau. C'est de la merde. Est-ce qu'on peut avoir une vraie épée, en fait? Une vraie épée qui serait pas mal. Ouais. Un Ulbert en fer, ça demande 8 de fer. On n'a pas le fer. 3 de bois et 2 de cuir. On n'a rien de tout ceci, mais... Et d'avoir une vraie arme, en fait, ce serait peut-être un changement agréable. Ce serait en fait un changement agréable. Ou même un arc long, combien ça coûte? 12 de bois, on les a pas. 5 de, 3 de corps, on n'a rien de tout ceci. C'est beaucoup trop cher. Il y a 1000 et un objets. Armure plus 24. Poids. 5 de cuir et 8 de fer pour un gambison rembourré. En vrai, c'est fou, hein. En vrai, à la seconde où tu commences à avoir 12 de fer, à la seconde où tu commences à avoir des vraies armures, ça commence à aller mieux. Hein. Mais en vrai, ce qu'il nous faut, c'est des dégâts, gars. Une tente. Elle a un point supplémentaire au point de repos. Python, une torche. Visite, Christian, lumière, marmite. Préparer des plats nourrissants. D'accord. Fonte pour plus de transport. Ou course de fond. Hein. Moi, je suis motivé pour le course de fond. Ou pour le Ulfbert, hein. Si on arrivait à forger une épée à la fin de cette vidéo, ce serait quand même incroyable. Hein. Allez, vendu. Allez, on y croit. Et le refuge. Question, c'est est-ce qu'on peut attaquer le refuge sans que ces connards ne s'en rendent compte? Nous ne laisserons pas approcher le seul refuge que nous avons. Revenez sur vos pas, mercenaires. On est 4. Ils sont 9. Ça passera pas. Enfin, ils sont 8. Ça passera pas. Je pense pas que ça passera. Hein. Par contre, eux, ils sont 3, là. Ils sont isolés. Des déserteurs. Petite attaque surprise. Miam, miam, miam. Leur cadavre a l'air frais. Surprise, qu'est-ce que ça veut dire? Dégâts subis augmentés de 10%. Fort, ça. Ouais, on va leur casser la gueule. Alors, comme d'habitude,
On commence les velléités. On a pas une flèche dans la gueule. Et on termine son cours à côté un pote. Hop. Ensuite... Écoute, je vais à côté du piège, j'active la posture défensive et on espère qu'il se passe des choses incroyables. Ah bon. Eh ben très bien. Décider qu'il se passerait rien d'incroyable. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Dans ce cas-là, on va les charger comme des vieux, vieux pégus. Ouais, malheureusement, on n'a pas une synergie qui est topissime. Pas une synergie qui est topissime. On peut espérer que ma stratégie marche et que ça la pousse dans le piège. Je pense pas, hein. En vrai, je pense pas. Non, ça n'a pas marché. Tant pis. Un effort méritoire de ma part. Le problème, c'est qu'on va se faire autofocus. Le problème, c'est qu'on va se faire focus. On va se faire focus. Tant pis. Hop. Putain, la lâche de lancer. Ça, c'est mesquin, ça, madame. Et elle m'attaque en plus derrière. Salope. On a mis plein la gueule. Double hache de lancer. Pouah là 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 là. La situation est en train de dégénérer à une vitesse absolument folle. On panique pas. On panique pas. Alors, on désactive son armure. D'accord, ça fait juste tomber son bouclier. En vrai, ça sert à rien. Très bien. Et on voit si on peut pas lui mettre un petit premier soin. Non, il est trop loin. Tant pis, on tourne. Toi, tu peux le repousser et après tu peux sans doute fuir. Ou pas. Ah, ils vont me buter, je sens. Oh là, c'est là que ça commence à partir. Hein. C'est là que ça dégénère. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Ça tourne mal pour Gontran. Oh là là, ça a mal tourné pour Gontran. Qui est mourant. Et il l'achève. Salaud, ils ont eu Gontran. Ciblage. Ah. J'ai le temps de m'éloigner de ça. Ouais, d'accord. J'ai le temps de m'éloigner de ça, je crois. Ou pas. Je sais pas si ça implique. D'accord, ça implique que je m'en prenne une. Tant pis, je le bouffe. Ah, nique son armure. Double la précision et la puissance. On s'éloigne un peu. Prépare une flèche. On commence à faire tomber les pépés un peu. Nouveau tour. Très bien, il faut lui en mettre plein la gueule de toute façon. Voilà, déstabilisation. Ouais, non, passe le tour. Forcément. On claque déviation. Ah, ça me claque un point de super pouvoir, mais au moins les prochains dégâts seront quasiment nuls. Et je peux faire 4 à 6. Et toi, tu fais combien, toi, avec ton arc? Non, mais d'accord, elle a déjà joué. De toute façon, pas le choix.
Boop. Le martelet. Oh là là, toutes ces flèches, enfin toutes ces haches de lancer. C'est infini les haches de lancer ou pas? Parce que si c'est le cas, ce serait pété. Hein. Absolument décadent, hein, si je puis me permettre. Hein. 26% de chance de toucher mon pote, c'est quand même un peu risqué. On va se décaler. Allez, on va en caler une. Allez! Ça tue. Dieu merci. Ok, il est venu mais pour rien. Nouveau round, nouvelle règle. J'ai encore de l'armure. Ça fait plus de dégâts. Voilà, Brigine 4 déviation. On met une quiche. On passe le tour. Au point où on en est, il vaut mieux qu'il y ait. Il vaut mieux qu'il y ait à l'infini. Voilà. On soigne Brigitte. On plante. On va s'en prendre une, mais c'est pas grave, il faut. Ouh là là, ça cible. Vous avez 79 de soldes à verser. Mais quelle merde! Cette situation qui n'est absolument pas enviable. On fait le tour. Super pouvoir de soin. On plante. On passe le tour. Ouch. 8 de dégâts, c'est pas beaucoup de chance. On utilise déviation. On met la quiche. On tire la flèche. Ouh! On vient se planter à côté du pote pour gagner le point. Elle fait son attaque ciblée de je ne sais pas quoi, si ça l'amuse. Par contre, tout le monde ne pourra pas partir. Donc ce qu'il faut, c'est que Brigitte claque déviation. Mettre le coup de massue. Peguman, il a de l'armure, il peut tanker. Lui, il faut qu'il claque le soin. La lance. Et qu'il se recule. Hop, hop, hop. C'est pas grave. Au corps à corps, hein. Nous on est comme ça, nous. On est comme ça, on n'a aucun respect pour les adversaires. Elle souffre, c'est tout ce qu'on espère. Bouc ! Allez ! Voilà ! On a récupéré un marteau à deux mains du Renégat. Eh ben, c'est un peu de la merde. Hein. Gontran est mort, tant pis pour Gontran. Rip Gontran. On a récupéré... D'accord, on a récupéré le merdier à Gontran, c'est bien. Ouais, clairement, on n'est pas dans un lieu ou une situation que je qualifierais de terriblement avantageux. On a faim, on a froid. On sortira probablement jamais de cette forêt à la con.
On est pauvres parce que mes mecs exigent leur pognon. Un camp de bûcherons, inespéré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mon seul rôle est de dénoncer les paysans de Tiltren qui viennent perturber le travail de nos bûcherons. Vous pouvez me croire, ils sont aussi nombreux que les arbres ici. Même dans cet endroit perdu en pleine forêt, les gens trouvent le moyen de nous importuner. Pas moyen de couper du bois tranquille dans ce fichu comté. Je... Oui. Oui. Bien sûr. Bon. On pourrait les tuer, c'est vrai, hein. En vrai. En vrai, on est mesquins, si tu veux, mais... Non, c'est pas possible, si tu veux. Tu viens de perdre Gaston, ça t'a pas suffi, c'est vrai. Enfin, tu viens de perdre... Pardon, tu viens de perdre... Ouais, contre... Mais du coup, le truc, c'est que la force... Ah non. Voilà. Je reprends la fourche parce que la fourche fait plus de dégâts, en vrai. Gaston ne peut pas équiper ce type d'arme. Brigitte, tu peux ? Ouais, elle peut. Elle peut, elle peut. Mais on abandonne le bouclier, mais en même temps, le bouclier, il est déglingué. Il est déglingué du cul, il est déglingué du cul, donc... Putain, on sortira jamais de cette forêt vivant. Xaras, on va crever comme ça. C'est honteux ce qui se passe. J'ai trouvé des coquelicots. Ah ! Le son qui a bugué une nouvelle fois. C'est pas grave, parlons d'abord à ces gens. Qui sont ces gens ? Qui êtes-vous ? Tout qu'à planter. Au secours ! Non, si c'est bon ! Tout est revenu. Inexplicable. Nous avons été envoyés d'Alazar pour nettoyer la forêt du Nord de ses rats pestiférés. Remettre contre la peste. C'est fort, ça. Nous sommes à la recherche d'un homme infecté. Ouais, bah, demain, hein. Voilà. Ouais, demain. Et d'accord, en fait, chaque feu de camp peut avoir 3 ou 4 personnes autour. C'est-à-dire, il y en a une qui est obligée de monter la garde ou pas. Mais en fait, quand tu commences à avoir 20 gars dans ta compagnie, il faut avoir genre 4 ou 5 feux de camp, en fait. Ou une marmite ou un truc comme ça. D'accord. Non, mais c'est vraiment Cyrano de Bergerac, hein. C'est vraiment Cyrano de Bergerac. Mais en mode... pauvre. En mode... c'est la Zerbie. Allez, je donne leur solde. Ah, ils le méritent. Je perds tout mon pognon, mais... Je peux construire une tente, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Surtout qu'on est plus que 3 maintenant, donc... C'est un coup à se faire book, ça. Alors, voyons voir. Les filles, rien. Ok, Claes. Pitié, détachez-moi. Les hommes de la herbe peuvent venir d'un instant à l'autre. Ils veulent me ramener à Edoran. Je suis pas dangereux et ils me recherchent parce que j'ai déserté. Vous pouvez pas imaginer ce qu'ils font aux artisans, aux artisans dans la région d'Art. Le comte la herbe nous traite comme des esclaves. Allez, on le libère. Peguman. Oh, facile! J'ai rien compris, facile. Merci. Je travaillerai pour n'importe qui pour que ce soit pas le comte Léard. Croyez-moi, je suis un très bon forgeron, je peux faire des miracles. Laissez-moi vous accompagner, mercenaire. J'ai peut-être pas de quoi vous payer, mais les forgerons sont rares pour les temps qui courent. Mon nouveau patron donnera cher pour moi. Ouais. Il voulait pas un bon forgeron, le mec, au village ? La présence d'un déserteur dans notre groupe va attirer l'attention des hommes de la herbe. Et merde.
Bon, en vrai, je panique pas. Déjà, on récupère le fer. On récupère les plantes, on récupère le bois. Oh merde! Mercenaire, cet homme appartient au comte de l'Aerte. Livrez-nous sans résistance. Jamais! Let's go! On va se faire démonter. On n'a plus d'armure, on est blessé. Bon. Ouais, on va se faire déglinguer. On va se faire déglinguer le cul. Ah d'accord, elle gagne ce coup qui est merdique. Super. Voilà, très bien. Je crois que c'est la fin. Waouh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, waouh, blablabla. Alors, j'aimerais soumettre un bug. Le bug étant que j'ai perdu. que je me suis fait mutiler. Bon, bah oui. Bon bah voilà, je suis désolé hein. Voilà. C'est terrible hein, quand on y pense. C'est terrible. Et là il y a 3 pégus. Là il y a du bois. Là il y a un peu d'acier. Ils me foutent la paix ou ils me considèrent comme une victime? Ils me victimisent. Non, arrêtez. Annulez. Je peux? Ah ouais. Non. Vos actions sont arrivées au chef des réfugiés. Souhaite vous rencontrer dans le refuge. Bah, je l'aime bien moi, mais Monseigneur remarquera que je suis un peu perdu. Attends, quoi? Là, il y a une mission, paraît-il. On est épuisé, affaibli par les combats. Et non, j'ai dit non. J'ai pas d'argent, Barry. Épuisé, affaibli par les combats. Ah, et c'est eux en plus, putain. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est vraiment pour leur faire plaisir. Hein. Bonjour, monsieur. Ah, bah, madame. Mon mari a été mordu par un rapistiféré alors qu'il coupait du bois dans la forêt. Ils ont été chassés de Stormcraft. Depuis, j'ai du mal à rassembler de quoi le nourrir. J'ai rien à vous offrir en échange, mais peut-être vous pouvez vous charger de lui. J'ai entendu ce que ma femme vous a dit. Elle a raison. Je vais finir par en prendre à elle. Faites ce que vous avez à faire. Je préfère mourir plutôt que de le faire du mal. Je recrute. Voilà, il a recruté ma team. Mes compagnons doutent qu'il fasse l'affaire, mais mes compagnons vont fermer leur gueule. Parce que si on retrouve les connards dans la montagne qui cherchent le pestiféré, on peut lui le remettre dans toute l'égalité de bonne cause. Attends, annulé, j'ai dit. C'est un guerrier. C'est gratuit, ça, c'est fou. Il faut. Ok, c'est un guerrier. Il a des fripes, une hache en bois rouillée pour ave et un couvercle de tonneau. Malheureusement, on a un bouclier qui est pété, une lance pourrave et un vieux gourdin nul à chier. Qui serait quand même meilleur que le marteau à Brigitte. Hein. Au début du tour suivant. Quoique ça peut être joué bien. Ça peut être joué bien. Écoute.
Ça peut être joué bien si on joue ça de manière intelligente. Voilà, la max. Ah, il peut pas attaquer, très bien. Mais au moins il va se faire engager. Très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Merde, je me suis fait au corps à corps, j'aurais pas dû. C'était l'erreur de ma part, c'est pas grave. De chance. Ah, c'est faible quand même. Ah, c'est bon, et là ça touche. Ok. Ok, voilà, très bien. Donc déjà, son armure elle est tombée. Ça, ça tape direct dans les PV. On va crever. Hein. Elle a tapé elle aussi. Petit soin. Voilà, très bien. Coup de hache. Coup de hache, j'ai dit. Voilà, très bien. Il joue. Il me donne un coup. C'est bien. Si ça l'amuse, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est mon tour. Double gifle, voilà, ça y est. Préparation de la grosse gifle. Ça, ça plante dur, ça plante sec. C'est l'armure, c'est ok. C'est l'armure, c'est ok. Ok. Donc maintenant, il faut jouer intelligent. Il faut tuer. Oh la violence! C'est gratuit. Utiliser le super point de pouvoir pour soigner, parce que c'est moins cher que gratuit. Ce mec au corps à corps avec l'autre connard pour lui mettre une pression. Ensuite, bouc, la gifle, comme on l'appelle dans mon métier. On monte, on utilise le soin pour enlever le poison, on utilise la lance plantée au sol pour le mettre à genoux. Excellent. Bon, finalement, ça a été rondement mené. Victoire, belle victoire même. Oh, avec une dague abîmée et des cadavres. Ok, très bien. Bon, les cadavres, pas d'utilité, mais tout le reste, je prends. De grâce, messire, je vous supplie de faire grâce. On vous a pas attaqué pour vous blesser, croyez-moi. On voulait vous effrayer pour que vous donniez vos crowns. Ne me frappez pas, pitié, c'est mal, nous le savions bien. Cependant, Gosenberg demande tellement d'or pour traverser sa frontière que nous n'avons pas le choix. Dépouiller les voyageurs est le seul moyen. Je peux lui donner un laissez-passer, je peux lui donner des thunes, je peux l'exécuter. Et ça, c'est gratuit. Allez, hop. Alors, du coup. Du
Du coup, il faut qu'on remonte dans la montagne. Attends, quoi que ce soit, c'est gratuit, ça. Ah, il y a des pots, eh. Moins cher que gratte. Voilà. Et ça, c'est, je sais pas, du bois. Du bois, mais de façon, j'ai pas les moyens, j'en ai pas, c'est chiant. On est peut-être épuisé. Et on a peut-être Cancerman. Mais Cancerman, on a peut-être moyen de le soigner. Hein. Level up, hein, en attendant. Hein. Donc moi, j'augmente sa force. Hein. Pour soigner Cancerman, il faut qu'on retrouve les connards. Là, eux, impeccable. J'espère juste qu'ils vont pas m'attaquer à vue. Nous avons été envoyés d'Al Azhar pour nettoyer la forêt du Nord, c'est rapestiféré. Remède contre la peste. Nous sommes à la recherche d'un homme infecté. Mais dans vos rangs, c'est lui, c'est le pestiféré. Livrez-le nous. Obtient anneau de purificateur. Et refusez. Je refuse. Nous sommes mandatés par le royaume. Si vous maintenez votre position, nous avons le droit de vous éliminer. Ne prenez pas un tel risque. Livrez-nous l'infecté. Ah merde. Et je peux pas vous acheter... Bon bah écoute. Je vous le donne, hein. Après tout, il a pas de métier. Attends, attends, une seconde. Je vous le donne. Voilà, mais avant ça, à poil, si tu veux. Tout ce qu'il a, c'est de la value, hein. Voilà, excellent. Excellent, excellent, excellent. Et on le livre. On le livre, allez, on le livre. C'est un bon guerrier, mais allez, hop, c'est vendu. Voici. Parfait, ça fait longtemps que nous n'avions plus eu un sujet vivant entre nos mains. Où ai-je mis mes instruments? Eh ben, servez-vous. Très bien. Volonté plus 1. Un anneau d'or, rubis serti en carré. Je suis sûr que ça vaut des thunes. Je récupère cette plante à la con. Voilà, ça c'est gratuit. Ouais, je sais, vous allez bientôt vouloir vous reposer. Laissez-moi descendre un petit peu. Oh là, la simulation de galère absolue, hein. Pourquoi t'es étourdi? Ah, c'est parce qu'elle est blessée. D'accord, tout s'explique. Oh, on a perdu le bricoleur, il est mort. On laisse le cheval proche. Très bien. De la viande, un champignon. Impeccable. Non mais ils vont juste lui faire des tests Covid, hein. C'est pas grave, hein. S'il s'était soumis au 7e vaccin, comme on lui avait dit. Alors des champis, du bois. Oh non, mais non. Ah, et on est obligé. Bon, d'accord. Dernier combat et après on pourra revenir à la ville, je suis sûr. Où sont les autres? Ah, il est là, d'accord. Oh, mais c'est une situation de merde, ça, en vrai. Je crois qu'on est au corps à corps de l'archer, si tu veux. Ouais, j'abandonne, ouais. Retraite. Dernier combat perdu, mais on l'a pas perdu. On a retraite. Et bon. Ouh. Oh, parce que c'était clairement une situation à la con, ça, brave Jean. Ok. Fouh. Eh ben putain. Eh ben pas mal. Bon, bah ben, au final, j'annonce, hein. J'annonce. War Tales. Comme vous avez pu le voir, c'est plus connaître, hein. Plus connaître. Après, clairement, il faut de l'endgame. Clairement, il faut du stuff. Clairement, il faut connaître ses capacités. Clairement, il faut des choses aussi derrière ou autre. Mais... si seulement j'avais eu le temps, moi ça m'aurait pas dérangé de faire mon autiste comme sur Rimworld, tu vois, et de faire un stream de 130 heures dessus. Hein. Jusqu'à ce qu'on ait enfin les moyens. Parce que regarde.
Là, on a l'alchimiste. Et là, on peut concocter des remèdes. Bon, juste un, mais un. Mieux que rien. Un remède, c'est la santé. Tu peux nous soigner, ça coûte 60 balles, c'est cher. Donc on va continuer de souffrir. Marché aux trois lapins, on peut y vendre toute notre merde. Comme les dents, pour absolument rien. Ça peut être utilisé en monnaie d'échange contre les trackers. Je sais pas ce que c'est les trackers. Pour les torches. Très bien. Du bois, du pain, machin, c'est tout finalement. La lance, la hache en bois rouillé. La dague abîmée, ça c'est à vendre aussi, c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Vêtements complètement pétés, bouclier complètement pété. Un nanopurificateur qui vaut juste 8 balles. T'es sérieux? Oh là 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 là. Le hameçon, ça s'est vendu. Là, il y a du clodo, mais ça, à ton avis, il se recrute ces clodos ou pas? Civil, level 1. Parce que de la chair à canon, c'est de la chair à canon, hein. Le bijou fantasy de fête foraine, mais oui, bien sûr. Plus 1 en volonté, équipe le. Non, mais bien sûr. Mais c'est un bijou fantasy, le machin. Maison communale, maison de maître Ulan. Tiens, est-ce que tu peux réparer nos merdes? Ouais, 12 balles, voilà, ça c'est honnête. Là on discute, là on parle. Hop. On va aussi commencer à lui acheter. Pour 50 balles, on en achète 10. Comme ça, au moins, on va pouvoir enfin avoir un inventaire digne de ce nom et des vraies armures. Chercher du travail. Ouais, mais je voudrais le thune. Ah, des thunes. Voilà votre récompense. Bah voilà. Voilà. Vaincre les squads de Sigismond. Parfait, c'est où ça? Ouais, c'est là où on voudrait aller en plus. De toute manière, en plus, ça colle. Impeccable. L'informateur, Serlo, Judran et Trin. Fais voir, Trin. Oh la vache! Ça a l'air d'être une vieille brutasse. Il a l'air vieux, il a l'air violent. 19 de constitution, 5 de force. Ça a pas l'air très pété comme stat. Hein. Épéiste. Ah mais c'est juste un pégu. Bon. Ah mais je suis en train de me dire, si vous payez bien, je pars avec vous. T'entends, une autre brute, ça met des gifles. Hein. Qu'est-ce que t'as, toi? Des fringues, un petit bouclier. Bon, bah, c'est pas non plus glorieux, si tu veux, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Mieux que rien. Allez, on recrute. Voilà. Votre compagnon doute qu'il fasse l'affaire. Ouais, mais bien sûr, c'est de la merde, mais. Merde, je veux pas le voler, on revient. Partir. Et toi, t'es un épéiste? Allez, je recrute. Et toi, t'es une voleuse? Allez, je recrute. J'ai recruté tout le monde. Là, on commence à avoir des vraies équipes. On commence à monter des équipes. Très bien. Tu peux pas équiper la lance. Non, mais à l'état... En l'état, hein. Si jamais ça passe pas, on les agressera à la main. Hein. Armure plus 7, armure plus 8, plus 3, c'est mieux. Ouais, ils ont tous des fripes. Ok, très bien. On a tous des fripes de friperie fantasy, on est bien. Répare tout.
Voilà. On a fait de l'investissement, brave Jean. De l'investissement. Taverne. On a un remède. Qui est blessé? Dégâts subis doublés. Et cette unité ne peut plus infliger de coups critiques. Force et dextérité réduites de 30%. Putain. Attends. Attends, attends. Ça se trouve, de dormir, ça fait passer tout ceci. La fourche est moins puissante que la lance, mais la fourche a une capacité de doubler ses dégâts, en fait. Ah, ils sont blessés, ouais, non, pas le choix. Tellement cher, tellement cher, tellement cher. Tellement cher, j'ai pris cher. Mais au moins, déjà, on peut aller saucer les squads à Sigismond. Ça, ce serait assez glorieux, je dois l'admettre. Et le chef des réfugiés vous attend au refuge. Par là, ouais. Allons-y. Et en avant les compagnons, nous sommes partis vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit. Putain, mais c'est... Au secours! Bon. Ce donjon, il est pourri, mais j'avoue. 150 loups. Bon, tu me diras. Tu me diras. Lequel est le loup qui attaque en premier? C'est lui, super. Alors, génial. Bon. Bonjour! Voilà, déjà. Ah, quand même, ça aurait fait une belle distance, je trouve. Alors, toi, tu vas me la jouer Action Man, le plus grand de tous les héros. Book le vieux! Bien joué. Alors toi, 30% de chance de coup critique supplémentaire. Tu peux mettre des sacrées quilles. Ce qui est intéressant, je l'accorde. Surtout que c'est lui qui joue en prochain, donc si on peut le tuer, ce serait idéal. Voilà, ça c'est gratuit. Ah, malheureusement, elle sert à rien avec son arc de cercle qui met 1000 ans à bouger, si tu veux. Il faut qu'elle joue en tout dernier, en vrai. Faut qu'il se mette à distance. Bouc! Voilà, et là il paye. Même pas besoin de le déplacer en vrai. Boup! Ah, il vient mordiller. Parfait. Excellent. Bon, les loups ont été maîtrisés, ça s'est plutôt bien passé. Un nouveau round commence. Et bon, on va commencer par la souffle. Bouc. Merci.
on s'avance et on utilise déviation. Je réduis les dégâts, si jamais je me fais engager, je gagne des points. Super. Excellent. Du coup, je prends rien et je gagne mes super points. Ce qui fait que derrière, bon, on va mettre des quilles, hein, y a pas de raison. Pas de raison. Ah, on met des quilles. Pas de raison. Malheureusement, j'ai pas les moyens de faire quelque chose de bien en fait. Alors, on va juste s'approcher. Hop! C'est pas grave. Sans se prendre le piège à loup, si possible, si possible. Merci. Boop! Ça, c'est gratuit. Je sais pas si ça touche. Si ça touche. Boop. Ça c'est gratuit. Il s'enfuit. Non. Hors de question que je laisse partir. On les achève. C'est des loups, mais va falloir avoir à pas se foutre de ma gueule. Ouais, 54%, c'est 100%. Bouc. C'est bon, ça touche. Et là, on gagne un point supplémentaire. Voilà, c'est pour ça, en fait, que je voulais faire ça. C'est parce que ce sont des gens qui ont le bonus que quand ils finissent à côté de leur pote... Voilà, on gagne un point supplémentaire. Ah, 2 points de bravoure bonus à dépenser uniquement durant ce combat. Tant pis, les gens y ont pensé. C'est pas grave, vachement le. Voilà. Victoire ! Tout réparé, ça coûtera 3... On en a 10, c'est chiant. On n'a pas perdu tant d'armure que ça, donc je propose de les garder. Par contre, on prend tout, et ça, par contre, c'est juteux. Il faut dire que c'est quand même assez juteux, les combats de loups. Hein. Il faut faire le tour de cette grange à la con. Si seulement on était riche, et noble, et beau, et qu'on était tous à cheval. T'imagines une charge de cavalerie, bref, bref, bref. Oh, la boucherie que ce serait. Ok, donc on en chie à travers cette forêt à la con. Là, ça fume, on sait pas ce qu'il y a. Il y a rien, très bien. Quand même. Hein. Là, il y a des pégus avec des torches, ils ont l'air vénères. Et il y a des flics. Tout va bien. Fuyons la marée chaussée, fuyons la marée chaussée. Là, il y a... C'est quoi, ça, là-bas? Le mec, il a l'air possédé. Let's go. Lucia, je les tuerai tous. Ah! C'est le gars! C'est un individu dangereux. D'accord, bon, on le déglingue. Ok, 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 ok. War Tales, hein, n'hésitez pas. Hein. Le lien est dans la description, brave Jean. 63 PV, 30% de garde, grosse armure, plutôt vénère. Il a l'air... Applique sentence à l'unité la plus proche. 48 dégâts et les repousse au tour suivant. Ah ouais, d'accord, donc en fait, il est super fort. Bon, en vrai, ça se prend. Hein.
cac, hein. Boop. Ça a pas l'air de pouvoir passer, hein. Alors, il met sentence, je sais pas ce que ça fait, on verra bien. Et il me cible. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le ciblage... Non, en fait, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que le ciblage, je peux pas le décaler. Par contre, Gaston, est-ce que tu peux repousser? Aïe, j'ai pas vu le piège, putain. Ouais, ça peut le décaler, hein. Ça le décale pas, il sent pas les couilles. Très bien. Ouais, d'accord, je vois le problème, en fait. Donc, j'aurais jamais dû m'amener vers lui. Ça, il faut automatiquement que ce soit un perso qui puisse encore bouger avant qu'il y applique sa sentence du cul. Cette unité prépare une compétence et ne peut pas se faire engager. D'accord. D'accord. Et sentence, cette unité est prise pour cible. Ouais, bah, tu fais bien de transpirer, ouais. Combien il t'inflige de dégâts? 43? Enfin, beaucoup trop, hein. On est d'accord que c'était beaucoup trop, hein. Bon, bah, écoute. Coraline, faut y aller, hein. Hop. Rook! Ok. Ah, il va l'infliger aussi, putain. Ça marche pas. On démarre. Je le vis. J'ai compris comment ça marche. J'ai fait planter le jeu, je crois. Non, c'est bon. J'ai compris comment ça marche. Ok. Bon. On est obligé de passer deux tours avant qu'il se décide à appliquer la sentence sur quelqu'un. Effectivement. Quoique, on peut gagner du temps. On peut gagner du temps. Trop loin. C'est pas grave. Ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, c'est son tour. En espérant qu'il s'attaque, voilà, à quelqu'un. Super. Dont le ciblage est foireux. Ok. Donc à partir de là. Alors, on peut pas le déplacer de toute façon. Ça sert à rien. Même si je fais le tour, ça l'empêchera pas de... Putain, mais en fait, d'accord, il est ultra fort. Ok, bon, bah, tout s'explique. Écoute, c'est pas grave, hein. Il faut se décaler le plus loin possible. J'ai pas les moyens de bloquer ça. Voilà, il faut poignarder. Ah, il va la viser elle du coup, mais j'ai pas les moyens d'empêcher ça en fait. J'ai pas les moyens d'empêcher que ça arrive, ce genre d'événement tragique et honteux. Même avec Gaston, je peux pas le repousser avec la lance, donc ça ne marche pas. Oh, putain, encore le piège à la con. Ah, même là, j'y arrive pas. Bon, attends, on n'y est pas. Hein. Vache. Et comment ça se passe pour quelqu'un qui est mourant du coup? Ah. Ok, je vois. Allez, dernière tentative de ma part.
Ce combat va être relou. En vrai, si on était que des archers, ça se joue. Hein. Ça se joue. Hein. Mais en vrai, y a pas de bon moyen de le mener, ce combat. En vrai, il faut juste lui faire une guerre comme il n'en a jamais vu, si tu veux. En vrai, c'est littéralement du out DPS. Hein. Je suis pas sûr que ça se fasse, hein, mais... Et elle, il faut qu'elle y aille en dernier, anyway. Ah merde. Et il s'est bien placé, l'enculé. Bon, c'est pas grave. Même les kiki mais ok, 1,5 mètres premier soin. En fait, si on arrive à jouer avec les premiers soins et tout ça, on peut faire des choses. Voilà, la quille. On a préparé la quille. Là, en l'occurrence, même principe. Voilà, lui, comme ça, il peut terminer son tour à côté de son pote. Ce qui fait qu'il touchera personne à part lui. Et on va gagner un point. Hop là, voilà. Allez, il met la quille. Oh, il touche deux gars. Il met la sentence, mais c'est pas grave. Brigitte, elle est confiante, si tu veux. D'ailleurs, Brigitte, elle met la sentence tout de suite. Bouc. Voilà. Et derrière, elle esquive tout de suite. Petit bonus de premier soin. C'est offert. Lui, il a mis la sentence, mais il n'a pas encore mis le machin de zone du cul. Donc, on sait qu'il va viser Peguman. Donc, Peguman peut se mettre hors de portée aussi. Hein. C'est possible. Donc, on met une quille. Et Peguman, ensuite, prend une fuite absolument folle. Bien sûr, ça ne le dérange pas une seule seconde. Génial. C'est pas grave. Qui est à 0 PV? Judran là-bas, elle est trop loin, mais c'est pas grave. 0 PV, c'est 100%. Panique pas. Boum. On fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Ça se cible. Mais là exprès. Là. Ouais.
vache, c'est complexe. En vrai, si j'arrivais à faire un cercle à peu près intelligent de soins et de res par rapport aux gens qui ont la capacité premier soin, ce serait possible. Mais ce serait vraiment une utilisation de strat absolument folle qui permettrait ce genre d'élan de réussite. Ça m'a l'air très fort. La fourche sert à rien. En revanche, la lance pourrait être utile. Je suis sûr que c'est possible. Laissez-moi essayer une dernière fois. À mon avis, ça se joue. C'est juste que, l'armure sert à rien. La grosse masse sert à rien. On n'a pas d'autres armes pour elle, hein. Non, malheureusement. Vraiment, on est désavantagé avec la grosse masse parce qu'on n'a pas, un cercle d'attaque qui est très honnête finalement. Mais c'est brave. Tout le monde a compétence de soins, sauf elle. Et personne n'a de level supérieur, tant pis. Tant pis. Il n'y a que eux qui peuvent générer des points passifs comme ça, d'héroïsme. Ok. Voilà, avec ça, c'est pas mal. En vrai, j'ai toutes mes chances. En vrai, on a toutes nos chances. Ce qu'il faut protéger, c'est absolument l'archer et Gaston, puisqu'ils peuvent générer des points d'amitié dès le début. D'ailleurs, cette map est plutôt pas mal. De risque ça. Maintenant qu'il y a une, après il pourrait viser l'archer justement. On peut reculer exprès, quitte à ne pas générer de points bonus. Super. Excellent. Possible. Ouah, ça touche. C'est pas grave. Génère un point bonus. Lui, eh bien, refait sa sentence de merde. C'est pas grave, on lui met des quilles.
Putain, il y a le piège là sur la route. Putain, dommage, je vais pas pouvoir lui mettre l'ultra. Je vais pas pouvoir lui mettre l'ultra. Si je viens là, j'active le piège, j'imagine. Non. Non, il est trop loin, ouais. Il est trop loin. On passe le tour. Donc, bouc, il met la key, mais c'est pas grave. Alors attends. On avance d'un petit pas. On lui met une quille. On se décale. On premier soin. Et on tient le coup. Ah ça touche putain, j'avais pas fait gaffe. À travers le piège en plus, quel connard. Plante. On termine de la côté d'un autre, on récupère de la vie. Voilà, il met une quille, mais c'est pas grave. Ah, il lui a remis sentence. Ah, il est comme ça, le gars. D'accord, donc il va le buter, c'est pas grave. Perdu DPS, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a du DPS de rechange. J'aurais pas dû faire ça, c'était très con de ma part. Exécutado, c'est pas grave. Je pense pas que j'ai la portée en plus, donc on perd du DPS pour rien. On a très mal joué. Tour suivant, on va pouvoir au moins esquiver ça. Ah, attends, agis intelligemment. Déjà, on met une quille. Ensuite, on se déplace. On s'est pris le piège, c'est pas grave. On soigne Brigitte. Et dans son déplacement, on fait ça intelligemment de manière à ce qu'il puisse pas cibler plusieurs gars en même temps. Genre, on se met là. Voilà. Ensuite. Donc après, il va cibler et faire ce qu'il veut, ce connard. Alors, 5 mètres. On lui poignarde le cul. Et on se décale de manière à ce qu'il ne puisse pas me cibler séant. Malheureusement, je termine pas à côté d'un pote, ce qui n'aide pas à la régénération de mes points. C'est un problème, on y travaillera plus tard. Très bien. Il vise Serlo, il y a Judran qui pourra... Ah non, elle ne pourra pas le réceptionner, il faut que ce soit lui. Et en plus, il va cibler l'infini, donc on pourra même pas infliger des dégâts dignes de ce nom. Donc non, il va mettre des quilles, donc ça sert, elle sert qu'à soigner, si tu veux. Donc lui, il sert à rien. Lui, il veut rien faire. Lui, il peut rien faire. Il peut rien faire. Ok. Bon, on n'y est pas. Hein.
J'aimerais au moins lui faire tomber l'armure. Bouc ! Donc la gifle. Fort heureusement, je peux le sauver. Je pense plus de ça me mettre derrière lui et préparer la quille. Parfait. Donc lui, il va le prendre, mais c'est pas grave. Back. C'est pas grave, elle me le met aussi, mais c'est pas grave. Prums. Prums, fils de pute. Ça me laissera peut-être la possibilité de le gérer, ça, derrière. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr si j'aurai le temps de le gérer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui risque de mourir dans le tas. Mais c'est pas grave. Book. 8 points. C'était de la merde. Mais j'ai le temps de me déplacer et d'aller soigner aussi. D'accord, donc j'ai rien dit, en fait. Si, si, ça se gère. Il s'est passé quelque chose de miraculeux durant ce round. Personne n'est mort. En soi, c'est assez spectaculaire. Gagne un point. Super, c'est moi qui vise, c'est génial. C'est super, c'était ce qu'on voulait. Il peut pas soigner. Shit, on va être en retard aux soins. C'est pas grave. Allez, c'est fini l'armure, c'est fini le fun. Et on regagne un point, super. Tant qu'on a l'avantage des points, on est bien. Qui peut jouer? Serlo, c'est le seul qui peut encore jouer. Parce qu'il faut qu'il bouge là, pas le choix. Donc là, il bouge. Ah, c'est pas grave. Ah, il la re-revise. Ah, il re-redose. D'accord. Ah, c'est pas gênant. Peut-être très con de ma part, mais c'est pas grave.
Voilà. Très bien. Ensuite, elle, il faut la bouger, on n'a pas le choix. Il la re-revise. Pas le choix parce qu'on ne pourra pas la soigner, sinon il faut... Du coup, ça la fait survivre. Du coup, on se redécale. Du coup, si j'attaque, il va. On le savate. On se redécale. Il met la quille. Ce qui la met en mode mourante. Et il la re-cible parce qu'il cible toujours la personne la plus proche. Et ça va la tuer. Malheureusement. C'est pas grave. On l'avait engagé après tout. C'est pour ça qu'on l'avait engagé. J'aurais dû le mettre plus... Ah, quelle erreur. C'était une lourde erreur de ma part. Grosse erreur de la part du joueur français. Grosse erreur de la part du joueur français. C'est pas grave. Pour l'instant, on a perdu qu'un pégu de base. Hein. Ça, après, c'est du bonus, hein, comme on dit. Donc lui, il va pas perdre ses points de vie, donc ça sert à rien de le déplacer maintenant. Réfléchis. Voilà. Il faut absolument générer des points, voilà, des points d'héroïsme. C'est une bonne stratégie. Voilà, on le quille. On le soigne. On se met juste derrière et on génère un point de bravoure temporaire. Lui, il prend la quille de sa vie. Il se fait viser automatiquement. Mais il peut se décaler. Ah d'accord. Ah ouais d'accord. Nous étions donc comme ça. Bon. Pas paniquer. Ah oui, bah en plus, ouais. Bah bien sûr. Était trop drôle. Ça aurait été trop drôle. On génère le point bonus. Je me demande si ça touche. Si ça touche, c'est un peu la fraude.
Bon, au moins, il s'est remis à porter, ce con. Donc ça, c'est la quille. On lui passe dans le dos. On arme. On vise. Et on tue. Allez. Wouh. Ouais. C'était pour Gontran, ça. Ça, c'était pour Gontran. Lucia, un marteau de guerre dont le manche est recouvert de peau humaine. Le prénom Lucia est maladroitement gravé. À qui cette peau appartenait-elle? D'où j'ai su. C'est vengeance, 150% de force, déjà tous les unités à pouce de 6 mètres au début du tour suivant. D'accord, donc c'est vraiment la même attaque que l'autre, mais en 1000 fois plus fort. Putain. Répare toutes les armures. Prends tout. Oui, prend son corps aussi. Non, quoi qu'on peut pas, on n'a pas le poids. On n'a malheureusement pas le poids pour tout ceci. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Est-ce qu'on sait? Peu importe, je sais. D'accord, je sais. Moi, je sais ce qui pèse le plus lourd. C'est la bouffe. Voilà, petit festin. Voilà votre paye. Vous l'avez mérité. Fou. Vos compagnons sont devenus plus aguerris. Vous pourrez nommer un capitaine parmi eux. Oh là 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 là. Nommer capitaine. Ça coûte 50 points de prestige. Je les ai pas. Gérer le compagnon. Faire prisonnier. Renvoyer. Alchimiste. Déjà, donnons les niveaux. Chasseur. Inflige 4-9 dégâts à leur pouce 2 mètres et lui applique le ralentissement pendant un round. Ça, c'est bien, ça. Tous les animaux alliés adjacents attaquent une attaque d'opportunité. Ouah. C'est pour faire attaquer les animaux, ok. Effectue une attaque d'opportunité contre les 3 premiers ennemis qui traversent la zone. Huh. Ça a l'air fort, ça, mais il faut que les mecs tombent dedans, si tu veux. Alors que tir de recul, il fait super mal. Hein. Et ça te donne l'occasion de faire 3 attaques gratos, si tu veux. Après, si les ennemis traversent la zone et qu'ils viennent au cac de l'archer, tu vois, pas dit que ça marche. Hein. Pas dit que ça marche, pas dit que ça marche. Hein. Oui, on améliore la dextérité, évidemment. Pas réfléchir. Toujours. Pas dit que ça marche, pas dit que ça marche, pas dit que ça marche. Moi, je suis pour le tir de recul. Hein. Du damage. Hein. Du damage et puis tu réfléchis pas. Et Brigitte, est-ce que tu peux avoir Lucille? Book. D'où Jésus. Charge implacable. Se désengage les charges en ligne droite. Inflige 6 dégâts à tout le monde et ralentissement. Non. Inflige 14 dégâts à toutes les unités dans la zone. Inflige 2 poisons aux unités qui saignent. Et inflige plein de dégâts et lui applique un faiblissement pendant 3 rounds. Ça, c'est très fort. Et en plus, ça lui permet armure intermédiaire, armure lourde. Voilà, très bien. On n'a pas les moyens de leur donner des armures lourdes. Mais let's go. Let's go, let's go. Augmente ta force. Augmente ta force. Augmente ta force, augmente ta force. On commence à avoir des vrais pégus, je suis content. Bon, on en chie à l'infini, vous avez bien vu à quel point c'est la galère galériane. Hein. On a 10 kilos en trop, c'est pas à cause des cadavres, non. Mais le gourdin, ça vaut des thunes et tout. On jette la viande. Ah là là, mais je vais pas jeter mon vieux gourdin. Putain, si. Hein. Oh là, là là là, quelle misère. Quelle misère sexuelle de devoir jeter tous ces items. Tous ces précieux items. Déjà, ça fait 5 kilos en moins, le bois. Oh, ça fait mal. L'acier, je peux pas jeter l'acier. Je vais pas jeter la fourche, c'est celle à Gontran. Jette le vieux gourdin. Oh, c'est pas encore assez. Jette le vieux bouclier. 4 kilos, c'était de la merde. Impeccable. Bouffe ta potion. C'est vrai.
Comment je claque la potion? Contusion. Constitution réduite de moitié. Ah oui, c'est pas problématique. Mouvement réduit de 2, d'accord. Ah, ça, c'est possible. Du coup... Le chef des réfugiés vous attend au refuge. On n'est plus que trois. Hein. On commence à être des paysans un peu bien. Hein. Un peu musculeux. Mais... Clairement, ce jeu déconne zéro. Après, je pense qu'on était pas assez armés ou pas assez efficaces pour affronter ce boss efficacement. C'est quoi, ça n'empêche pas qu'on va se tenter notre chance face à l'escouade à Sigismond. Honnêtement, si j'arrive à caler un coup de marteau, genre la masse ultime si tu veux, je pense qu'on a toutes nos chances. Mais il faut que ce soit Brigitte qui joue en dernier, du coup. Ça, c'est pour lui apprendre les bonnes manières. Ah, j'ai le droit à un tir quand même. Ah oui, le jeu, il est comme ça, en fait. Tant pis, il est pas à portée. La hache de lancer. L'attaque à la hache aussi. Non, on n'est pas confronté encore. Ok, d'accord, mes excuses. Voyons voir. La vengeance de Lucilla. Hop, voilà, c'est posé. On va voir ce qui se passe maintenant. Eux, ils vont venir. Est-ce qu'ils viennent dans le... Oui, il est où? Kokoda. Très bien, un nouveau round commence. Très bien. C'est lui en premier, c'est l'autre ensuite. Très bien. Bon, tu sais qu'il va se faire pulvériser du cul. Book. Book. L'arme marche bien. Malheureusement, on n'aura pas moyen de le retenir efficacement, lui. Tu recules ! Voilà. « 25%, c'est 0%. Excellent. »
parfait. Lui, il est toujours aussi nul. Alors, sauf que lui, il est engagé. Et lui, il va probablement s'attaquer à Brigitte. C'est parfait, en vrai. Alors déjà... Tu recules! Tu recules! Mouk! Capacité de tirer deux fois par tour, c'est fort quand même. Imagine, t'as deux archers comme ça qui s'auto-alimentent constamment. En plus, on s'alimente en points de bravoure, donc c'est génial. Ah, elle me met une quille, il fait mal, c'est, je l'accorde. Il fait très très mal. Mais s'il a pas mis au prochain tour, tout le monde meurt. Comme dans Hamlet. Parfait. Alors lui, il vient essayer de nous mettre une giga quille. Ah non, même pas, il fait juste de la merde. Lui, il attaque à deux, il est ok, il est affaibli. Ok, c'est l'heure de la fessée intergalactique. Intercontinentale. D'ailleurs, avant même cette fessée intercontinentale, ce qu'on va se faire, c'est se décaler très légèrement. Ah non, ça marche que sur les ennemis engagés. Ah oui, ça marche que sur les ennemis engagés, tant pis. Bon, on va mettre la gifle. Hein. Cette claquasse du cul, mon gars. Et le pire, c'est que c'est pas fini, regarde. Je peux revenir, mettre une quille et remettre le ciblage de la mort. Hein. Abattu. Il est déjà contre un mur, donc ça marche pas. Il m'attaque, il me fait un peu mal, je l'accorde. Je l'accorde. Et maintenant, il se passe des choses incroyables. Et ben, merci pour ce moment. On n'est pas trop lourd si on est trop lourd. De pas grand-chose, d'accord. Genre une frite pétée. Allez. Voilà, impeccable. Tout réparé. Ça pèse combien les outils de réparation? Si, ça pèse un peu quand même, donc en fait, tout va bien. Voilà. Donc attends, Gaston, level up. Jet de lance, inflige 6 dégâts à toutes les unités dans la zone. Applique saignement à la première unité touchée. D'accord, tu peux balancer une lance, donc c'est un peu stylé. Applique fureur à tous les alliés dans la zone. Dégâts de la prochaine attaque augmentés de 50%, c'est très fort ça. Et mur de lance, quand un ennemi traverse la zone, effectue une attaque d'opportunité et stoppe son déplacement. Perd 20% de sa santé maximum à la fin de son tour. Oh, ça veut dire que sur l'autre connard... Sur l'autre connard... En 5 tours, ça aurait été réglé? Non mais c'est OP. Améliore la force déjà. Harponne. Harponne mon gars, on harponne. Ici, c'est harponne main. Après, qui devient le chef? Gaston, Peguman ou Brigitte? J'ai envie de nommer Brigitte. Hein. Parce que c'est quand même... Enfin, je veux dire, il faut suivre la logique des orques. Hein. C'est elle qui tape le plus gros et le plus fort. Voilà, il y a une logique, si tu veux. Pa-pa-ban. Obtenez un pour chaque allié dans la zone, utilisable une fois par combat. Excellent, ça.
Eh ben bravo. Brigitte. Brigitte imbloquable, invincible dans l'absolu. On les a quand même bien démontés, hein. Je rappelle, on est que 3. Hop. Fergas, le chef des réfugiés. Attention, de l'histoire. Attends, on peut recruter ces gens ou pas? Non. D'accord. Nous vendons le surplus de ce que nous avons. Ça nous aide à financer la reconstruction de cette ruine. Ce sont des cordes, des iris d'émettre, des remèdes. Tu veux bien acheter? Achète ma merde. Je vends pas la fourche, hein. Je garde la fourche. Pas mal, ça. Pas mal, pas mal. On a presque réussi à regagner des thunes. On peut acheter un remède pour Gaston. On peut acheter des cordes. Comme ça, on pourra espérer un jour avoir un arc, si tu veux. Ça, c'est des remèdes gratuits qu'on pourra en construire un. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Allons-y. Voici nos mercenaires, vous arrivez à temps. Bienvenue au refuge. Je me nomme Fergas, l'ancien bourgmestre de Cortia et désormais chef des réfugiés. Comme vous avez pu l'expérimenter, les habitants d'ici sont assez hostiles vis-à-vis de nous, les réfugiés. J'ai décidé de nous mener dans ces terres reculées et glaciales, mais il semble que ça ne soit pas assez pour la bourgmestre de Stromcap. J'en veux pour preuve notre camp de bûcherons. Alors que nous avons besoin de bois pour consolider cet abri et passer l'hiver, il ne cesse d'être harcelé par les fermes alentour. Cela pourrait dégénérer, il y a plusieurs jours que les bûcherons ne donnent plus de nouvelles. Voilà la raison de votre venue ici. Cette situation pourrait s'avérer trop dangereuse pour les paysans que nous sommes. J'ai besoin de mercenaires pour enquêter sur leur silence. Merci. Les bûcherons sont au nord d'ici. Eh ben, wesh wesh, on y était déjà allé. C'est marrant parce que tout ceci a été déjà exploré plus tôt dans l'épisode, brave Jean. On a 0 points de bravoure, ça par contre c'est la bite. On n'a plus aucune influence, on a plein de bouffe, on a pas mal de thunes, enfin pas mal de thunes, et on a un petit peu de bonheur. Je dis bien un petit peu. Hein. Là, il y a une quantité de loups qui m'a l'air assez absurde, qu'on aimerait si possible. Voilà, on a gagné un point de connaissance. Ce qui nous permettrait pas de construire cette arme, mais de construire un arc long, ce qui serait quand même incroyable. Avec le bois, ce serait fou, hein. La progression du jeu. Le chef est inquiet pour nous, il y a de quoi. Les habitants de Tiltren sont de plus en plus vindicatifs, ils nous harcèlent, on n'a pas assez d'hommes pour envoyer un messager. Que... Alerte, les paysans reviennent! Vous, puisque le chef vous envoie, dépêchez-vous de rejoindre nos gars à l'extérieur et empêchez ces imbéciles d'entrer! Ah! Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est rien de mieux à faire que venir harceler des réfugiés! Quand bien même vous seriez d'or en personne, ne pourriez pas couper ces arbres! Comment ça on pourrait pas? Qu'est-ce qu'on peut faire que ça vous fait ce qu'on coupe ces arbres plutôt que d'autres? La forêt du Mont Altis est sacrée! Bon, on s'en bat les couilles. Très bien. Ils se battent. Alors, Ah, du coup, on peut rejoindre qui on veut. Non, mais Ouais, on gagne des haricots stylés. Bon. Bon, let's go! Let's go! On nous a demandé notre aide. Nous, on l'apporte, si vous. On est épuisé. Gaston Ah, on a l'agressivité du chef. Cool, ça. Où sont mes unités? Où sont mes gars? Voilà. Malheureusement, j'ai pas d'un moment où je pourrais être avantagé avec tout ceci. C'est brave. On va faire sans.
Book. Déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle la gratuité, monsieur. La gratuité, c'est quand c'est offert. Hein. Ouch. Ouh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, double dose en plus. Hein. Pas mal, ça, par contre. Ça, ça va pouvoir le calmer dans ses velléités. Quelque chose d'assez vénère, en fait. J'avance. Voilà. Point de bravoure en plus. J'avance. Alors déjà, petit choc affaiblissant sur le coin de la tête. Bouc. Vengeance de Lucilla. Ah, petite vengeance de Lucilla. Super, il vient lui-même apporter, c'est impeccable. Il vient lui-même se vendre, c'est super. C'est ce qu'on veut voir en vrai. Petit poignardage. Alors nous, on est au corps à corps, mais c'est pas grave. Javelot au cac. Plantage de cul. Fin des haricots pour lui, il va saigner à mort. Donc ils se battent. C'est bien, c'est bien. Nouveau round commence. Excusez-moi, c'est l'heure de saigner, monsieur. Il veut pas saigner, il veut pas saigner. Très bien, mais c'est pas grave. C'est l'heure du strike. Strike. On se déplace là. Petit coup derrière la tête. Punk. ça a touché les potes aussi, ça. Ok, pas mal. Petite exécution sommaire, madame. Voilà. Non. Non, non, on en finit. Voilà, merci. Voilà. Moi, le pognon, on répare tout. Pas de raison. C'est réglé, et voilà. Et les bûcherons, ils disent quoi? Cette histoire de modèle me rendait fou. Je vais informer le chef que vous avez libéré la voie. Voilà. Merci infiniment. Les réfugiés peuvent maintenant utiliser le bois de Tilten. Et j'ai assez de poids pour porter tout ce bois, ce qui est une excellente nouvelle, ce qui me donne l'occasion de me faire attaquer par des loups immédiatement. Bon. Et force et dextérité réduite de 30%, ouais, non, sur ma retraite. Allez. Ça les déprime. Ah, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Qu'est-ce que t'as comme blessure? Force et dextérité réduite. Dégâts réduits de moitié, mouvement réduit. Il a la colique, il a tout. Allez. Ah, je peux soigner qu'un seul truc. Oh. Je soigne pas la chiasse. La diphtérie, mon gars. Oh putain. Ah non, mais immédiatement. Hein. Immédiatement se faire bolosser par des loups, c'est toujours un régal. Que dis-je, un régal? C'est un privilège. Mon seul espoir réel, hein, ce serait de réussir à sortir de ces montagnes à la con
retourner à la ville et me forger un arc. Et je pense qu'on pourra s'arrêter là pour cette découverte de War Tales. Honnêtement, un jeu sympa. Ça a l'air d'être le jeu que tu... C'est un jeu à Fred, si tu veux. Fred, je sais que ce jeu, ça le rendre fou. Moi, je sais que ça pourrait me rendre fou, mais clairement, ça demanderait une optimisation, si tu veux, de ma part, qui serait un peu plus poussée que ce que j'ai fait ce soir avec mon équipe de Pégu du cul. Misère. Déjà, leur faire apprendre la capacité de courir, je pense qu'il y aurait une étape. Hein. Quand même, du staff principal de base, et uniquement lors d'un combat épique, on a perdu Gontran. Hein. Les trois autres Pégu, ils tiennent. Hein. C'est un peu Goblin Slayer. Hein. Sauf là, c'est Pégu Slayer. C'est principalement nous qui nous faisons slayer. Attends, c'est une ferme, ça. C'est pas là où on veut aller. Mais non, putain, mais ah, quel enfer. On a mal lu la carte. Au secours. Le jeu est impitoyable quand même. Oui, clairement. Clairement. Si vous voulez le découvrir et vous amuser dessus, je vous conseille de le mettre en facile déjà pour débuter. Ne serait-ce que pour le début parce que c'est brutal. Je suis sûr que quand t'as une équipe de 30 personnes, ça se passe mieux. Quand t'as une team de mercenaires de 20 personnes avec des chevaux, avec des armes complètement pétées, avec des armures de plaques, avec des vrais forgerons, des gens qui peuvent te réparer tes trucs, enfin tu sais, quand tu commences à devenir un peu autonome, je suis sûr que ça se passe bien si tu veux. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est juste nous, avec des fourches si tu veux. On a sensiblement fait ce qu'on a pu. Tout est en bon état, ça c'est miraculeux. Et ça y est. L'arc long. Super, c'est un arc en bois. Hein. Impeccable. Il est en bois. On a de quoi faire des hardes. Ah ben voilà, des vrais vêtements qui protègent du froid. Des vrais boucliers, haches de lancer. Je me demande, hein, les haches de lancer, si c'est à usage unique ou pas en vrai. Hein. Parce que si c'est une arme secondaire qui s'équipe, tu as main gauche au lieu du bouclier, et qu'en fait à chaque tour, tu peux lancer une hache gratuite, les dégâts sont juste fous. Hein. Les gars sont juste fous. Et ça, c'est une épée, donc malheureusement, le seul épéiste qu'on avait, bon, on l'a eu pendant 10 minutes en fait, puis il est mort. Comme un caca, ce qui fait que Peguman, lui par contre, peut s'équiper. Oh là là, de cet arc d'une qualité folle. 14, 24 dégâts à la cible. 10, 17, 14, 24. Putain, quand même, hein. Le level up des stats, le level up des armes, ça déconne zéro. Hein. Je veux pas dire, mais ça déchire un peu tout, hein, c'est pour ça. Bon, j'essaie de voler quelque chose. Peguman s'est fait attraper dans sa tentative de vol. Attends, voler. Comment on fait pour voler des choses? Il doit y avoir un mini-jeu, je l'ai juste pas compris. On va aller chez l'apothicaire, on va tenter de voler. Ah merde. Ah mais il s'est fait attraper, non mais il s'est fait... il s'est fait mettre en tôle. Ton nouveau métier, c'est voleur. T'as toutes tes chances. D'accord. Tant pis. Bon bah, Peguman, équipé de son fier et nouvel arc, aura fini en tôle alors que la maréchaussée vient vers nous d'un air déterminé
et audacieux. J'accuse. J'accuse Brigitte. Brigitte a porté le chapeau. Et maintenant en tôle. Et c'est donc le début des aventures de Gaston. Gaston le fermier qui a voulu devenir mercenaire et qui bien décidément va garder ses chaussures, sa lance et son bourrin et va rentrer chez lui, je pense. Ah putain, feedback and suggestion, libérez Brigitte. Et bah brave gens, c'était War Tales, j'espère que ça vous a plu, que cette petite découverte était sympathique pour vous. En tout cas, effectivement, c'est un jeu qu'il faut creuser, qu'il faut pousser. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour profiter vous aussi de War Tales. Merci infiniment à Shiro Studio hein, de nous avoir sponsorisé de cet OPSP. Voilà. Segata-san Shiro. Voilà, merci Shiro Game, impeccable, qui nous a, Shiro Games, pardon, qui nous a saucé. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo YouTube ainsi que le stream pour ceux qui ont suivi. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou. En plus, c'est beau. C'est beau. Mais c'est vraiment... c'est vraiment Goblin Slayer, le jeu. Tu penses que ça va être de l'aventure incroyable, des dragons, des sortilèges, machin, et tout. Au final, non. C'est juste un vieux gobelin, enfin un vieux pégu avec les dents édentées, les dents pourries, et un vieux couteau rouillé, si tu veux, qui donne le tétanos, et ton pote qui est en train de mourir comme ça avec la bave aux lèvres, tandis que Brigitte se fait mettre en prison, si tu veux, pour sauver le groupe. Voilà. Eh ben putain. Allez, zou.